Hello tout le monde, comment ça va ce soir? Salut Flo, salut Vincent, salut Mangatech, bienvenue, salut Arnaud, c'est plaisir de revoir les mêmes têtes. Salut Musashi, salut Stickies. Donc c'est cool, il y a plein de monde déjà là. Salut Manon, avec plein de têtes connues, salut Vilsiag. Tu vas faire un côté intéressant à Mangatech, oui. On va parler de manga intéressant ce soir, plus que la dernière fois, c'est ça. Ça te plaisait pas, la numéro 5? J'espère que tu as voté, par contre, dans le sondage. Salut Boris, salut Jprimus. Ah, mais ça fait plaisir, là. Bon, ce soir, on va continuer l'exploration, tranquillou. De toute façon, on va l'avoir pour un paquet de soirées à faire ça. Et on va surtout terminer la première Mangatech après deux soirées bien bien remplies, on va attaquer la troisième. Enfin, la, pardon, on va attaquer la deuxième. Enfin. Salut Lady Murawski, ça fait plaisir de vous voir. Toujours au rendez-vous avec Evil. Bon, après, je sais que Evil s'endort à peu près vers 10 h. Hein, c'est ça. Généralement, c'est ça. Hein. Merci Evil de rappeler nos droits citoyens. Alors, je vais en profiter parce que. La dernière fois qu'on s'est quitté, j'avais dit qu'on ferait la Mangatech Tezuka. Et depuis, les votes ont changé. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous puissiez voir ça. Voilà. Les votes ont changé. Alors, je vais vous partager le lien. Voilà. Allez voter parce que du coup, je ne sais pas si finalement on fait la Tezuka. Ou si on fait la 1 ou la 6. Là, c'est à vous de décider, hein. Donc là, je ne sais pas encore. Hein. Sachant que la Tezuka, je n'ai pas reçu non plus les derniers Isan qui je recevrai. Enfin, je pense les recevoir au mois d'octobre. Enfin, d'octobre, peut-être août-septembre. Puisque j'avais pris le pack méga fan où il faut attendre longtemps. Donc je n'aurai pas tous les Tezuka si je les présente. En tout cas, voilà. Donc allez voter. Pour la prochaine, nous, on va attaquer déjà, on va finir l'autre. Alors, je vais faire des fois quelques exceptions, c'est-à-dire que je vais, s'il y a un volume de notre auteur par là, je vais le prendre d'une autre Mangatech, comme ça, on part de l'auteur entièrement et j'ai pas besoin de revenir dessus plus tard. Voilà, il y aura quelques petites exceptions comme ça, de ce côté-là. Voilà, donc je vous ai mis le lien, il doit fonctionner dans le chat. Allez cliquer dessus, il y a 30 votes pour le moment. Allez faire changer ça. 32, je vois, ça change, ça change. 28, 28. Vous allez faire un vote de troll, quoi. En tout cas, voilà, on va suivre les votes du public. Hein, c'est vous qui décidez. Donc, il va falloir départager tout ça. Donc, c'est bon. Ouais, je rajeunis à chaque vidéo, c'est parce que je me suis attaché les cheveux. Maintenant, tu vois, ça fait encore plus jeune. Bon, est-ce que vous êtes prêts ce soir? Pour la Mangatech. C'est parti pour 3 nouvelles heures d'exploration. Hein. Et en plus, il fait chaud. Et là, j'ai pas la clim dans cette pièce. Donc, avec les 3 projecteurs, je sens que je vais bien, bien avoir chaud à la fin de la soirée. Donc, je compte sur vous pour participer hein, et pour être présent jusqu'au bout. Attention. Hein. Voilà. Petit rappel, hein, n'oubliez pas, ceux qui veulent soutenir la chaîne, il y a un Patreon, vous pouvez me payer un petit café sur Patreon, c'est 1 €. Et voilà, pour tout le travail, le support, etc. En plus, vous avez droit à des vidéos bonus, donc ça c'est plutôt cool. Et la prochaine arrive vendredi, donc ça c'est bien. Et après, vous pouvez aussi utiliser les liens affiliés. Il y a BDFugue, parce que en fait, on m'a dit hier, Arnaud, merci Arnaud, on m'a dit que c'était pas BDFuge, mais BDFugue. Donc je me suis fait moquer de moi pendant un moment. Donc BD Fugue. Il y a des liens vers Amazon. Si vous commandez sur Amazon tout court, hein, même si ce n'est pas des mangas, vous pouvez passer par mon lien et commander. Ça me fait un petit support et vous ne payez pas plus cher. Et le dernier, vous avez aussi Rakuten. Vous gagnez 10 € d'achat pour une commande de 20 €. Donc si vous utilisez le code, donc n'hésitez pas à utiliser tout ça, ça soutient la chaîne. Et en gros, vous n'avez rien de plus à faire. Donc voilà. N'hésitez pas là-dessus. Salut Sylvie, bienvenue à toi. Donc, et si j'ai des livres qui sont bouffés par les poissons d'argent, je vous montrerai au fur et à mesure. Rassure-toi, Boris, hein, ça on va le faire.
Et Evil, écoute, je vais peut-être te faire des enregistrements spéciaux, une petite voix ASMR pour t'endormir le soir, d'accord? Si ça t'intéresse, tu m'envoies un MP et puis on en rediscute, ok? C'est bon. Allez, on commence ce soir, on va finir la Mangatech et n'oubliez pas d'aller voter hein, pour l'autre. Moi, je vais actualiser ma page, voir où ça en est. Et comme ça, voilà, c'est bien, il y a 4 votes de plus. Continuez comme ça, allez voter sur le sondage. En tout cas, Tezuka, c'est mal parti. Hein. Désolé, Boris. Hein. Alors. Il est où? Ah, il est là. Pit of L. Hop, on va le faire comme ça. Donc, du coup, salut Zeno, bienvenue à toi. Alors, on va le faire comme ça parce que, comme je vous ai dit, il y aura quelques petites exceptions. Des fois, j'irai choper un autre livre, c'est pour pas revenir dessus. Donc, comme ça, c'est réglé. Je vois qu'on a des super émoticônes là. Elle est cool celle-là, c'est quoi? C'est Kayane? Non, c'est quelqu'un d'autre. On aurait dit Kayane en tout petit. Alors, qui connaît? Et bisous. C'est parti. Hop là. Ici. Avec The Pit of Hell. Alors là, normalement, lui, il est dans la Mangatech numéro 6. Ok, mais en fait, j'ai un livre qui était dans l'autre. Donc, on va en profiter maintenant d'en parler. Comme ça, c'est fait. Donc, lui, c'est un livre en anglais que j'ai acheté. Je ne connaissais pas plus que ça. En fait, j'avais déjà lu une histoire de lui dans AX, je crois, l'anthologie, là, chez les Armoires. Je crois que c'est celle-là. Je regarde. Est-ce qu'il y est dessus? Crois qu'il est au début. Ouais, voilà. Il y est dès le début. Ah non, c'est pas lui, pardon. Je me suis trompé. Et il est dedans normalement. Alors, c'est pas grave, je vais pas passer plus de temps. Et c'est un mec qui. La Ibizu de Doro et Doro, elle est géniale, mais ce n'est pas le même. Et en gros, c'est un mec qui fait de l'héros gros, quoi. Il fait du trash à gogo. Et ce sont des dessins qui sont assez piquants. Donc lui, je l'ai connu avec une histoire courte. Mais après, quand Breakdown Press a sorti ce livre, bon, ben, je l'ai acheté un petit peu par hasard, en me disant, ben, on va le découvrir. Et je l'avais acheté à Angoulême. Ils étaient sur place. Et donc là, ça, c'est, j'en ai fait une critique, je crois, sur Insta. Là, c'est vraiment le livre où c'est la colère, quoi. On sent la colère intérieure des personnages et de l'auteur. Salut Sissi11, bienvenue à toi. Je t'ai jamais vu encore, je crois. Et du coup, c'est des dessins qui sont très bruts, très simplistes, je dirais. Mais à chaque fois, c'est des histoires de frustration ultime qui terminent toujours dans un. Je sais pas comment dire, mais c'est un massacre. À chaque fois, un massacre. Genre l'ouvrier qui se fait hurler dessus par son patron. Et en fait, tout ce qu'il rêve à chaque fois, c'est le tuer, quoi. Alors, je passe un petit peu. Hop, hop, pour vous montrer. Voilà, le genre d'histoire qu'on va retrouver là-dedans, voilà, où il imagine en train de défoncer son patron. Et c'est que des histoires comme ça, en fait, tout le temps. Donc ça, si vous aimez les mangas trash, si vous aimez les mangas qui sont politiquement incorrects, qui dessinent en fait tout ce que la société vous interdit de faire, puisque lui, il s'en fout totalement, l'auteur, bon ben voilà, là c'est l'histoire, quoi. Voilà, c'est le manga à acheter. Ah ben écoute, c'est cool que tu sois là ce soir. Ça fait plaisir. Donc voilà, donc ça c'est Eibizu, c'est un auteur qui. Alors là, c'est bah, pareil. Alors c'est très trash, hein, c'est très cru hein, comme truc. Et voilà, la fin, il finit à la queue leu-leu, d'une façon très particulière. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu les images. Et à chaque fois, c'est des trucs un peu dégueux. Et il faut savoir que il y a un autre livre qui est sorti. C'est pour ça que je vous montre celui-ci. C'est ça. C'est un petit fascicule qui est assez fin. On arrive encore à le trouver sur Internet. Alors, je sais plus où, mais je crois que je l'avais acheté sur Amazon, un truc comme ça. Et donc c'est très très fin et c'est
Hop là, c'est à l'envers, je l'ai pris. C'est pas très cher. Alors c'est hyper trash aussi. Comme d'hab, c'est très court par contre. Voilà, ce soir, ça va être un pas pour tout public là. Et donc du coup, voilà, et c'est une histoire très courte en couleur. Pareil avec le chien qui bouffe l'autre. Et c'est pareil, c'est politiquement totalement incorrect. C'est du n'importe quoi. Donc si vous kiffez ce genre de bouquin, vous pouvez y aller. Donc l'auteur, je vous le remets. Hop là, c'est Eibizu, Yoshikazu. Et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là, de bouquin. Je peux vous le trouver si vous voulez, si vous êtes intéressé. Alors laissez-moi une minute, je regarde, du coup. Hop là. Non, c'est pas celui-ci. C'est ma liste de mangas. Je vais vous le dire. Parce qu'il n'y a pas le nom dessus. À sens unique, ça s'appelle. Je vais vous le mettre dans le chat. Hop. À sens unique, ça vaut. Ça vaut. J'ai payé ça 5 euros. Hein, donc oui, c'est pas très cher. Il faut surtout le trouver. Voilà. Et ça, c'est. Normalement, c'est l'éditeur. Et je crois que sur Amazon, on pouvait le trouver. Je crois. Hein. À sens unique, Eibizu Yoshikazu. Parce que là. Voilà, je vois qu'il est indisponible. Je ne me rappelle plus où je l'ai trouvé. À tête reposée, je rechercherai. Salut Lolo. Bienvenue à toi. Donc voilà, donc si vous voulez des mangas un peu trash, de toute façon, dans la Mangatech numéro 6, il y a toute une collection de mangas trash. Hein. Donc, il y a toute la partie Eroguro, donc vous allez en avoir plein les yeux. Je pense que YouTube va me passer la vidéo en moins de 18 ou me démonétiser direct. Allez, manga suivant. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je peux vous montrer un peu plus en détail. Et du coup, il n'y a aucun souci. Hein, c'est le moment de demander. N'oubliez pas d'aller voter pour la prochaine Mangatech. Hein, le lien est un petit peu plus haut. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, Pit of Hell. On aura l'occasion seulement d'en reparler quand je ferai les autres. Alors, on va attaquer un grand maître là. Hop. Allez. Ah oui, les chants. Je sais pas si on fait la 6, je pense pas. Parce que je risque d'attaquer par le bas. Mais là, effectivement, ce que j'ai montré, c'est moins de 18. Mais j'en ai plein de moins de 18. À un moment, quand on arrivera à ça, je pense que je mettrai un petit logo sur le truc moins de 18. Donc la Mangatech numéro 6 qui gagne hein, pour l'instant, moi je vous le dis. Hein. Donc c'est la 6 la prochaine. Et on commence par le bas. Hein. Alors, un auteur qui a été mis à l'honneur pendant le dernier festival d'Angoulême. Donc c'est Tsuge. Qui a lu du Tsuge déjà dans le chat? Et qu'est-ce que vous avez lu de l'auteur? Dites-moi. Alors moi Tsuge, le premier que j'ai lu, c'est L'homme sans talent. D'ailleurs, j'ai pas racheté la nouvelle édition, il faudrait. Ah, ce n'est pas joué encore, Millie, hein. Link Mini, ça peut encore changer. Hein. Et donc du coup, donc L'homme sans talent, c'est un manga que j'ai connu, pas à l'époque de la sortie, mais quelques années après, je l'avais trouvé d'occasion, ce livre, dans une boutique à Montpellier, en faisant les boutiques d'occasion. Alors je ne sais plus quand il est sorti. Il est sorti quand L'homme sans talent? Je crois que c'est... Alors, Manga News, on va regarder. L'homme sans talent. Hop. Sans talent. Voilà.
Voilà, toutes ces pubs là sur Manga News, c'est fatigant. Édition la première, elle est sortie en 2004. Et moi, je pense que j'ai dû connaître ça en 2007-2008. Je l'avais chopé d'occasion. C'est à l'époque où. Attends. Elle est sortie en 2000. Ah non, 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 non. J'ai connu ça plutôt en 2010-2011, plutôt. Donc, il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est plutôt ça. Puisque c'est à partir de 2009-2010, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à des bouquins comme ça. Et ce bouquin, je me rappelle, je l'avais acheté. Et j'étais en ville et à un moment, j'attendais quelqu'un. Et je m'étais posé, pour ceux qui connaissent Montpellier, au Polygone. Et une chaîne de magasins, quoi. Enfin, truc de boutique. Et je m'étais posé, puis j'avais commencé à le lire en attendant. Et en fait, L'homme sans talent, alors que j'avais pas trop l'habitude de lire des récits comme ça, du coup, j'ai été totalement mais happé par l'histoire. Mais il n'y a pas beaucoup de mangas dans lesquels, des fois, on est totalement happé. Et je trouvais que le talent d'écriture de Tsuge faisait que l'histoire qui comment dire, c'est un mec, c'est vraiment l'homme sans talent, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'il essaye de faire dedans, c'est de la merde, quoi. Il fait que de la merde en permanence. Il vend des pierres, il cherche des pierres et il essaye de vendre des cailloux, quoi. Il a un stand de cailloux, le truc qu'il ramasse sur la plage que tout le monde peut ramasser. Après, il essaye genre de vendre des appareils photo, des choses comme ça. Mais la manière dont c'était raconté, c'était captivant en fait. D'un truc où il se passe rien, mais il arrive à le rendre super intéressant. Et j'ai pas eu bien sûr le temps de finir, et moi j'étais en plein dans mon bouquin, j'avais lu peut-être 50 pages, et là bah, la personne revient, et puis on devait bouger, et puis moi j'étais là en mode, non mais moi je veux finir mon manga, quoi, j'ai trop envie, donc je suis vite rentré, et j'ai fini le bouquin, parce que c'était juste génial. Alors, je vois qu'il y en a qui ont lu donc L'homme sans talent, La vis, L'homme sans talent, Les fleurs rouges, donc du coup il y en a qui sont plus sur les anthologies, et l'autre sorti en français. Ok, donc toi Arnaud, tout ce qui est sorti en français. Et donc du coup, ben, L'homme sans talent, c'est l'histoire de Tsuge qui est vraiment complète. Parce que dans les autres, tout ce qui est sorti chez Cornelius, ce sont des anthologies et ce sont des histoires courtes. Et donc là, c'est vraiment une histoire complète qu'on va suivre en volume complet. Donc si vous voulez découvrir Tsuge, L'homme sans talent, c'est une très bonne porte d'entrée, je trouve, pour découvrir l'auteur, puisqu'il y a une histoire entière, alors que dans les autres, y a moins ça. Et donc du coup, on va retrouver, voilà, comme j'ai tout son talent d'écriture et son parti pris graphique Gekiga, hein, bien entendu, hein, c'est du Gekiga pur et dur. Et là, on est dans une histoire qui moi, j'ai adoré, quoi. Ça fait longtemps que je l'ai lu et je n'ai plus un souvenir précis, mais je sais que les relations entre les personnages, toutes les tentatives qu'il a, et on est là, on voit ce mec un peu nulos qui essaye de tenter des choses mais qui est pas du tout comment dire rassuré. On sent que l'auteur il a mis un peu de enfin il a mis de lui-même dans ce personnage, hein, ce côté justement comment dire très introverti. Ouais, j'arrivais pas à trouver mes mots, donc je peux que vous conseiller L'homme sans talent. C'est vraiment un super manga si vous voulez découvrir un petit peu tous ces mangas d'auteurs de Gekiga, etc. Et donc cette année, il a été mis en avant enfin, par Angoulême, ce qui n'est pas rien, il expliquait un petit peu les différentes voies, différentes évolutions du manga et Tsuge. Enfin, cette année, pardon, c'était l'année, le truc avant, puisque cette année c'était Mizuki. Désolé. Il expliquait, donc c'était il y a 2 ans, hein, enfin 3 ans même, puisqu'il y a eu le Covid. Il expliquait là tout l'impact de Tsuge. Donc il y a un beau catalogue dessus. Et hop là, il est là, ce catalogue. On va pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai tout ça à vous montrer. On fera ça un soir tranquillement. Ce sera tous les artbooks, les machins, etc. Mais il y a un beau catalogue. Je sais pas s'il est encore disponible, mais ne passez pas à côté. Les catalogues du Festival d'Angoulême, à chaque fois, ils sont top. Salut, Matojura. N'y a pas de souci, le replay sera là. Donc voilà, donc ça, il faut absolument découvrir Tsuge. Et je pense que L'homme sans talent, c'est un très bon truc. Aujourd'hui, c'est sorti chez Atrabile, c'est une nouvelle édition. Et en plus, dedans, il y a un cahier critique donc, pour vous expliquer un petit peu plus sur l'auteur. Donc ne passez pas à côté. Donc voilà, et c'est vraiment un bon bouquin. Il faut vraiment que je me le relise, quoi. En tout cas, voilà, le souvenir que j'en ai, c'est j'étais totalement pris par la lecture. Et ça m'avait. Jamais j'avais lu un manga comme ça, en fait. Surtout quand on change.
un petit peu des lectures traditionnelles, du shonen, qu'on avait l'habitude, du seinen, tout ça, qu'on lisait depuis des années et des années. Quand on lit quelque chose comme ça, on se dit, ah ouais, là, c'est pas du tout la même expérience, c'est pas du tout la même intention. Et on est vraiment sur un autre manga, une autre catégorisation de manga. Et du coup, voilà, on a l'impression vraiment de lire des œuvres plus adultes, entre guillemets, qui changent totalement ben, des œuvres un petit peu plus ben, pour public adolescent. Et là, on fait, ah ouais, c'est ça. On a vraiment l'impression qu'il y a un fond derrière, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est ce qui m'a l'impression que ça m'avait fait à l'époque. Et il faut savoir que Cornelius a pu enfin éditer les anthologies. Donc il reste qu'un volume à éditer. Parce que L'Homme sans talent est paru en 2004, et moi j'avais lu donc début 2010, mais jusqu'à maintenant, Tsugi n'a jamais voulu publier le reste de sa série en fait. C'est quelqu'un qui voulait être tranquille, et aujourd'hui, bon, il a changé d'avis. Très certainement que l'argent, à force, a fait changer d'avis, mais bon, tant mieux pour nous. Et du coup, il y a des anthologies, et les anthologies, c'est Cornelius qui le font. Salut Authentique! Bienvenue à toi. Et donc dans ces anthologies, elles sont très bien faites puisqu'elles sont faites par année. Donc là, par exemple, c'est le Marais. Alors, comme c'est des anthologies, on va les passer ensemble pour vous voyez un petit peu l'évolution graphique. Mais derrière, comment dire, je pourrais pas vous dire quel est le meilleur parce que je les ai sortis au fur et à mesure. Mais enfin, je les ai lus, pardon, au fur et à mesure. Je pense à autre chose en même temps que je parle. Je les ai lus au fur et à mesure, donc je n'ai pas une vision complète. Ça s'est fait tellement sur un laps de temps trop long qu'il faut que je relise l'intégrale pour vraiment me dire bon, ben ok, maintenant je peux relire tout Tsugi. On va dire que la première lecture c'était la découverte, mais dans l'ensemble, c'était des bonnes lectures. Alors, il faut savoir, j'ai Primus, comme j'avais expliqué pendant mon dernier live que j'avais fait sur Angoulême pour Tsugi. Il y aura 7 volumes de l'anthologie comme ça, c'est un grand format. Et le 6e volume, ça va être des histoires vraiment du début, donc avant celui-ci. Et le 7e, entre guillemets, devrait être L'Homme sans talent, mais tant qu'Atrabile a les droits, bon, mais Cornelius, pour l'instant, ne se positionnera pas dessus. Mais un jour, ça risque de sortir chez Cornelius. Et donc là, ce sont des séries d'histoires courtes. Alors là, Tsugi, ça va être vraiment voilà, les histoires de 65-66, donc c'est quand même des histoires de jeunesse. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de récits de voyage, donc ça c'est important, et qui fait beaucoup de mangas sur le watakushi, c'est-à-dire le manga de soi, où en fait on raconte sa vie mais via un personnage. Alors, du coup, c'est perturbant Tsugi quand on ne connaît pas. J'ai lu ça plus jeune et je suis passé à côté, j'ai dû récemment pour apprécier. Oui, ben c'est vraiment une catégorie particulière. Moi je l'aurais lu pendant ma période où je lisais que du shonen et du seinen. Clairement, j'aurais pas du tout aimé. Donc voilà, là on va avoir des histoires de ses débuts. Hop là. Dans l'ensemble, honnêtement, moi j'ai pas été déçu par un recueil. Hein. Il y a quelques histoires qui font plus ou moins mouche, hein, bien entendu, mais j'ai pas été déçu. Ça, par exemple, c'est une histoire qui était présentée à Angoulême, il y avait des planches. Et souvent, donc c'est des histoires qui sont un peu tranches de vie, des fois un peu tragiques, des fois très érotisé aussi. On voit qu'il aime bien faire ça. Y a pas de, faut pas chercher des fois de conclusion particulière. Il raconte un instant en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'on va retrouver, un peu des récits de voyage. Il va beaucoup parler de lui quand il est. Des fois, quand il voyage, il se représente directement. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui est très introverti. Ça a été l'assistant de Mizuki pendant des années. Et on va retrouver clairement la patte Mizuki dans pas mal d'histoires. Voilà, ça, c'était ses premières. Donc Tsugi. Hop là, je vais le ranger au fur et à mesure parce que sinon, je ne sais pas où. Comment. Je ne saurais pas quelle pochette c'est. Voilà. Si, je peux vous tous les vous les montrer, hein, il n'y a pas de souci. Si vous êtes intéressé pour que je vous montre chaque volume de l'anthologie, je peux. Hop là. Voilà. Rappelez-vous, j'ai mis sous pochette grâce aux poissons d'argent, mes amis. Mes amis, les poissons d'argent. Alors là, la deuxième,
C'est une histoire qui a révolutionné le manga game, le deuxième anthologie, avec Tsuge. Ah, authentique, oui, bah alors les Cornelius, si tu commences par pour lire du Mizuki avec Kitaro, faut juste savoir que ça reste une série qui reste à la base pour les enfants. Donc il faut pas le. Faut le lire en connaissance de cause, tout simplement. C'est très sympa à lire, Kitaro, mais voilà, ça reste pour un public d'enfants, quoi. Et après, il y a plein de titres super sympas à découvrir chez Cornelius, et ça, on va pouvoir le voir au fur et à mesure de mes lives. Là, aujourd'hui, on va surtout voir du Tatsumi, et on va voir, bien sûr, l'Atsuge, comme on discute. Salut Nico, bienvenue à toi. Et bon, on a juste parlé de notre auteur, et on est sur du Tsuge. Et oui, Boris, si on parle pas de poisson d'argent, c'est que c'est pas un live capsule manga, hein. C'est ça, hein. Bon, là, c'est bon, allez, hop. Je prends le temps, hein. On a le temps maintenant, c'est bon. La vie, ça, c'est une histoire qui a clairement chamboulé le game à l'époque. Alors, moi, quand je lis aujourd'hui, je suis un peu circonspect devant, je sais pas trop quoi en penser. Il faut pas croire que c'est parce que je lis plein de Gekiga, plein de mangas d'auteurs, plein de mangas un peu underground, etc., que je comprends tout et que je kiffe absolument tout. Il y a des fois, je suis en mode, je sais pas ce que j'ai lu, clairement, mais j'aime beaucoup rester comme ça dans cet état de je sais pas ce que j'ai lu, mais j'ai lu un truc chelou, quoi, dans l'auteur. J'aimerais être dans la tête de l'auteur. Et la particularité de la vis, donc ce qui a été dessiné, et ça, justement, l'exposition revient en détail là-dessus. Alors, je ne sais pas, voilà. C'est qu'en fait, la particularité de la vie, c'est que c'est une histoire un peu sans queue ni tête, en fait, qui n'a pas vraiment de début, pas vraiment de fin. Et ça a totalement dérouté à l'époque. Et ça a tellement dérouté qu'il y a tout ce, comment dire, il y a toute une génération d'auteurs qui, ça a été pour eux l'inspiration de sortir des histoires. Et typiquement, la vis, je vais vous la montrer. C'est un garçon qui arrive sur une plage et qui saigne du bras. Il cherche un médecin parce qu'en fait, il a coupé une veine qui est coupée. Il cherche un médecin. Et il n'arrive pas à trouver de médecin. Voilà, c'est un peu chelou là, ce qui se passe dans le village. Il suit une voie ferrée avec un train qui passe en plein dans le village. Donc il y a beaucoup de. Voilà. Donc c'est très absurde dans le récit. Et au bout d'un moment, il va trouver un médecin. Hop là, je passe un petit peu. Il va trouver un médecin. Alors oui, bon, il y a toujours un peu de cul chez Tsuge, il aime bien ça. Et ce médecin lui a réparé, voilà, lui a mis une valve. Voilà. Et du coup, maintenant, il a une vanne en fait et c'est réparé. Voilà. Et fin de l'histoire. Et à l'époque, ça a révolutionné le game parce que ça n'existait pas ce genre d'histoire. Donc moi aujourd'hui je lis, je fais, c'est chelou quoi ce truc. C'est pas déplaisant à lire, mais s'il n'y a pas un accompagnement à côté pour expliquer le pourquoi, aujourd'hui ça peut paraître bizarre. Donc voilà, donc ça, après il y a plein d'autres histoires comme je vous expliquais tout à l'heure, et là on va les parcourir comme ça vite fait. Il aime bien aussi faire des histoires qui sont plus dans le passé. Il a beaucoup d'histoires qui rappellent comme là le Japon des années. Je sais pas moi, début de 1900 quoi. Ce Japon campagnard, rural, j'aime beaucoup justement parce que c'est très carnet de voyage, très croquis. Et c'est ça qui est intéressant avec Tsuge, c'est qu'il nous fait voyager en fait. C'est quelqu'un qui aime voyager. Mais il aime voyager, mais comme c'est un peu le sans-le-sou, il va toujours aller dans des petites auberges un peu minables, toujours un peu les bons plans pour voyager et tout ça, mais les bons plans un peu chelous quoi. Qui raconte, et il y a de très belles histoires. Alors là, genre la petite fille là. Non, c'est pas celle-là, c'est une autre. Je pense que c'est une autre, c'est le fleur rouge. Là, on sent clairement, on voit la patte Mizuki en fait. On voit clairement qu'il a été assistant de Mizuki. Et il y a certaines histoires où il s'en détache, typiquement là. On voit là clairement qu'on n'est plus du tout sur le même style graphique. Là, on est sur un Tsuge beaucoup plus sombre. Voilà, c'est quelqu'un qui était très dépressif, bien entendu. Voilà.
C'est, comme je dis, c'est pour les, ça reste pour les grands. Et puis des fois, c'est dans des moments totalement absurdes, hein. C'est-à-dire qu'il se passe des situations, y a ni queue ni tête, mais c'est comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Alors, Tsugi, des fois, il y avait des petites histoires, hein, dans certains livres, dans les bangs, des choses comme ça. Donc on pouvait en lire dans le passé, mais ça restait des petites touches par-ci, par-là. Typiquement, l'histoire à vélo, là, je crois qu'on pouvait le lire dans celui-ci. Là. Dans ce livre-là. Bang. On a du Tsugi dedans. Et je crois que j'ai plus où il est. Voilà. Cette histoire à vélo, on pouvait la lire ici, en fait. Voilà. Et on avait quelques histoires comme ça qui étaient parsemées dans des gros bouquins sortis à l'époque. Mais on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et c'est vrai que j'ai attendu longtemps que ces anthologies arrivent. Et ces anthologies, dès qu'elles sont arrivées, je me suis jeté dessus. Alors on continue. Le suivant, il y en a encore, encore trois du coup. Comme ça, vous aurez tous vu. Hein. Vous aurez eu l'intégrale l'intégrale des Tsugi. Ça pourra vraiment vous donner une idée de savoir par lequel commencer. Je pense que commencer par la 10, c'est un peu rude. Qu'est-ce que vous conseillerez, vous, pour commencer? Est-ce que... Peut-être que les fleurs rouges, celui-là qu'on verra après, ou la jeunesse de Yosho, c'est peut-être un des meilleurs pour commencer, pour pas se retrouver face à un Tsugi un peu trop cryptique, un petit peu trop noir, quelque chose de plus accessible. Pour ceux qui ont lu là les anthologies, lesquelles vous conseillerez-vous aujourd'hui? Moi, je pense que je conseillerais peut-être celui-ci. Comme je vous disais, les fleurs rouges pour commencer. Voilà. Donc celui-ci, c'est la jeunesse de Yosho. Qui est... Ah, je me suis trompé. Tu vois, hop là. 75. Ah voilà, ben, je me suis trompé. C'est les fleurs rouges le prochain. Voilà. Hop, on va faire les fleurs rouges plutôt. Donc voilà, moi je vous conseillerais celui-ci. Toi, ça serait Yosho? Ok. Eh bien, on va les voir de suite. Donc les fleurs rouges. Hop là. Donc voilà, on va retrouver un peu des histoires d'époque. Parfois comiques, comme ici. Voilà, là c'est très décomplexé, c'est très, très léger dans le ton. Des fois beaucoup plus sombre. Là on voit qu'ils sont en train de tous mourir dans un désert. Qu'est-ce qu'on a après? Donc toujours pareil, ce Japon rural. Les histoires des fois plus modernes. Ah, celle-là, elle est super, cette histoire. Qu'est-ce que t'en as pensé, Nico, de l'homme sans talent? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a dérouté? Comme je disais au début, moi, ça m'avait captivé à l'époque où je l'avais lu. Voilà, ça, c'est une histoire où c'est une jeune fille, la première fois qu'elle va avoir ses règles. Et qui sont représentés sous forme de fleurs dans l'eau, et avec le petit garçon qui découvre ça, quoi. Hop là. Donc voici pour les fleurs rouges. Et en plus, graphiquement, c'est quand même, comment dire, c'est assez abouti, et c'est accessible. On n'a pas trop, on n'a pas d'histoire un peu sombre, cryptique. Ouais, maintenant je suis d'accord. Hein, je pense que l'homme sans talent, effectivement, c'est une bonne porte d'entrée, mais dans les anthologies. Les fleurs rouges sont une bonne chose. Et après, effectivement, il y a la jeunesse de Yosho. Parce que moi, j'ai peur que la vie, ce soit un peu trop... un peu déjà pour les initiés, entre guillemets. Dans le sens où on connaît l'auteur, on voit ce qu'il fait, on voit où il va. La jeunesse de Yosho, par exemple. Okay. À l'époque de la pension, là, il raconte à la pension où... Où on va dire que leurs hormones travaillent. Et toujours pareil, hein, dans des sortes de tranches de vie. Voilà, dans des bains. Alors par contre, voilà, il aime beaucoup
Il aime beaucoup le cul, hein. Là-dessus, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Voilà, je vais un peu plus vite, hein, parce qu'on en a vu plein déjà. C'est histoire de vous montrer un peu le contenu. Là, il est sous. Là, c'est lui avec en tant que mangaka. Donc voilà, donc celui-là, c'est la jeunesse de Yoshio. Et le dernier qui est sorti, c'est Saisi par la nuit, qui sont ses histoires les plus récentes. Hop. Hop là. C'est ses histoires les plus récentes. Et ce le dernier est très intéressant quand on connaît, quand on a envie d'explorer un peu plus l'auteur, parce que je trouvais que le dernier, Saisi par la nuit, est beaucoup plus expérimental. Alors, ce sont des histoires qui sont plus éparpillées dans le temps, hein, puisque Touge, il a fait souvent des pauses, il a fait souvent des trucs comme ça. Et donc, du coup, hop là, on passe un peu. Voilà, on va avoir des plans comme ça. D'un point de vue du cadrage et tout, c'est plus expérimental, mais il va beaucoup plus loin que ça. Donc, on va retrouver encore, hein, ces trucs de vie, etc. Hop. À un moment là, il y en avait un. Oula. On va faire quand même attention à ne pas montrer que des pages qui passent pas sur YouTube. Voilà, par exemple, cette histoire là, totalement improbable. Ça, pareil, j'aime beaucoup le truc comme ça, où là, genre celle-ci, genre il est dans un magazine, il bouffe les gens du magazine. C'est chelou. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, genre ces mains là qui sont coupées sur une fenêtre. Donc il y a des histoires comme ça un peu expérimentales. Et ça, c'est la dernière. Voilà. Et à chaque fois, il y a des dossiers à la fin. Il y a un beau, très beau travail de Cornelius. Hein. Donc ça fait une belle, belle collection. Franchement, les livres, ils sont très cool. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à soutenir. Ça, c'est pas le genre de truc qu'on trouve en occasion. Hein. Je vous le dis. C'est compliqué à trouver ça. Hein. Donc il vaut mieux acheter neuf direct. Hein. Puis les Cornelius, malgré tout, ils s'abîment assez vite. Hein. Donc il vaut mieux les acheter neuf, au moins vous aurez dans le meilleur état. Donc oui, Boris, ouais, le t-shirt, c'est Dragon Ball version club de baseball. All Saiyan. Donc Emmanon, donc la vie t'a perdu, mais dans le bon sens du terme. Donc j'étais perdu, comme si l'auteur m'avait malmené, mais pour m'amener là où je ne connaissais rien. Un sentiment de découverte et plaisir de l'inconnu. Oui, mais c'est un petit peu ça qu'on retrouve avec l'auteur. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, donc si. Alors il y a des histoires qui sont très très accessibles, hein, mais certaines qui sont un petit peu plus perdues. En tout cas, voilà. Ma recommandation, si vous voulez découvrir Tsuge, déjà, passez pas à côté du catalogue de l'exposition. Mais surtout, quoi que je peux vous le montrer un petit peu, le catalogue. Allez, à y être, à parler de Tsuge. Hein. Comme ça, on aura tout fait. Hop. Ce catalogue-là, il est immense, donc il passera pas là au niveau de la caméra. Je bougerai. Et là, voilà, donc on va avoir beaucoup de planches. Je vais vous montrer surtout la partie droite, comme ça. Il est très très grand ce catalogue. Hein. Et vous allez retrouver toutes les planches là, comme ça, originales, reproduites. Toute une explication sur son évolution, sa carrière, etc. C'est passionnant à lire. Donc c'est. On j'ai tout lu à l'expo. Hein, donc c'est la même chose avec des planches supplémentaires, généralement. Et c'est vraiment excellent. Donc si vous voulez approfondir Tsuge, ne passez pas à côté de ce catalogue. Alors là, on revoit l'image de tout à l'heure là. Donc il y a beaucoup de textes explicatifs, puisque là vous avez vu surtout des planches, mais il y a pas mal de textes explicatifs qui apportent beaucoup d'explications et de sur l'auteur. Je crois qu'on a tout fait de Tsuge là. Il n'en reste pas, hein, je crois pas. Salut Hammer Smith, bienvenue à toi.
Bon, là, on aura vu l'intégrale de Cuvier. En tout cas, voilà, moi, c'est un auteur personnellement qui m'a énormément marqué dans mon parcours de lecteur. Et ça fait partie de ces auteurs qui, clairement, m'ont fait découvrir une autre facette du manga, qui m'ont fait découvrir que le manga, ce n'était pas que des Neketsu. Et pas que je crache là-dessus, hein, c'est juste qu'à l'époque, à force d'avoir lu beaucoup de shonen, ben, je saturais, j'avais plus l'impression d'avoir de la nouveauté, de la découverte. Et ce genre de manga-là, ben, justement, te fait voir qu'en fait, le manga est très diversifié et qu'en France, on a eu beaucoup de séries auxquelles j'étais totalement hermétique et je ne les voyais même pas dans les rayons, alors qu'en fait, on en avait beaucoup déjà disponibles. Donc voilà. Je vous propose de passer à l'auteur suivant. Je rangerai mes trucs plus tard parce qu'il faut que je les remette dans la pochette proprement. Alors Alex, il va là. Et l'homme sans talent, il va là. Et là, on va prendre ça. Ça. Mais je triche un peu parce que je les prends à côté, mais c'est pas grave. Là aussi, on va attaquer un autre auteur qui est mythique. Hop. Où beaucoup sont sortis chez Cornelius. À votre avis, c'est quoi? C'est qui? Il y a aussi des anthologies chez Cornelius de cet auteur. Alors par quoi on va commencer? Bon allez, on va commencer par celui-ci. Cet auteur, c'est Tatsumi. Qui a lu du Tatsumi? Alors lui, normalement, il est plus connu que Tsuge. Hein. Salut Tic Tac, bienvenue à toi. Lui, en théorie, est plus connu que Tsuge. Il y a plus de chances que vous ayez lu du Tatsumi. Enfin, j'espère. J'espère pour vous. Sinon, vous êtes passé à côté de quelque chose. Alors, qui est Tatsumi? Qui le connaît? Attendant, je vais regarder un petit peu où en sont les votes. Un vote de plus. Ok. Alors, Tatsumi. Donc, Tatsumi, c'est un des créateurs du mouvement Gekiga. Donc, le mouvement des années, milieu des années 50, qui voulait, on va dire, proposer autre chose que ce que Tezuka proposait. Puisqu'ils ont grandi avec des mangas de Tezuka, bien entendu, ils ne rejettent pas ça, mais comme Tezuka s'adressait surtout à des enfants, ils avaient envie de proposer le manga à notre niveau et avoir des thématiques plus adultes. Et donc qu'est-ce que Tatsumi fait? Il va créer le Gekiga avec d'autres personnes. Et dedans, ben, en fait, il a fait pas mal d'œuvres et il a écrit Une vie dans les marges. Et Une vie dans les marges, c'est sa biographie où il raconte comment il a créé le Gekiga avec ses autres comparses, comment ça s'est passé et les difficultés qu'il a eues, etc. Et c'est quelque chose de passionnant. Il faut savoir que j'ai connu Tatsumi, pareil, dans mon exploration où j'ai acheté un petit peu tout en termes de manga. Enfin, quand je voulais explorer justement les mangas qui sortaient du lot, je tapais un petit peu dans les petits éditeurs, et typiquement, ben, j'avais pu acheter ce qui était sorti chez Vertige Graphique. Il y avait eu trois séries qui étaient sorties. Et donc du coup, avec ça, j'ai découvert Tatsumi. Mais on va en parler tout à l'heure. Il faut savoir que Tatsumi, il a plusieurs facettes, il a plusieurs visages. Aujourd'hui, clairement, moi je conseillerais Une vie dans les marges, parce qu'Une vie dans les marges, à la fois, ça va vous apprendre l'histoire du manga et l'histoire avec un grand H, et c'est super intéressant de découvrir ça, mais en plus vous allez aussi découvrir le talent de Tatsumi pour raconter une histoire, sachant que là on est dans l'autobiographie et après il fait des mangas beaucoup plus sociaux
Du moins, c'est les mangas que l'on a, surtout nous en France. Et donc, dans Une vie dans les marges, faut savoir qu'il y a une adaptation animée aussi qui reprend grosso modo les planches du manga, parce que c'est vraiment collé sur les planches. Et ils ont animé ça. Moi, je l'ai vu, c'était plutôt pas mal. Et donc, du coup, c'est vraiment autobiographie. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'on va retrouver plein de vieux titres qui, lui, a bercé son enfance, les événements du Japon de l'époque. Automatiquement, tout est lié au contexte. Il va raconter dedans, voilà, par exemple, les premiers Kamishibai. On le voit, ça. Donc, les théâtres de l'époque, avant que les Akaon arrivent, c'est-à-dire les mangas rouges, il y avait des gens qui donnaient des sortes de petites pièces de théâtre, entre guillemets, des orateurs, avec des planches de panneaux dessinés, raconter une histoire aux enfants. Et les enfants, ils achetaient quelques bonbons pour pouvoir écouter, et ils racontaient ça. Mizuki a commencé avec du Kamishibai. Donc il explique l'époque du Kamishibai. Bien sûr, il explique son héros Tezuka. Voilà, on le voit ici. Et donc du coup, il va se lancer dans le manga. Et il va même rencontrer son idole, hein, qui va concurrencer plus tard. Et c'est ça qui est super intéressant, parce que vraiment, c'est une fenêtre sur l'histoire, quoi. Salut Sio, bienvenue à toi. C'est une fenêtre sur l'histoire. Là, on voit, bah, les premières histoires de Tezuka qui ont bien fonctionné. Voilà, Atom qui arrive en 1951. Et tout ça, voilà, c'est raconté. Et ça va être raconté jusqu'à assez tardivement, hein, comme ça. Et c'est super intéressant parce qu'il va aussi parler de ses doutes, des difficultés qu'il a eues quand il a fait le magazine Kage, qui était pour justement concurrencer. Ben c'est ça qu'il a. Voilà, c'est avec ça qu'il a essayé. Donc il y a deux gros pavés comme ça, de je sais plus, de 400 pages. Et c'est vraiment passionnant. Et à choisir entre Gekiga Fanatics ou celui-ci, qui raconte tous les deux la naissance du Gekiga, je préfère clairement celui-ci. Je trouve que l'autre, il est intéressant dans un complément de celui-ci, mais le lire seul, je trouve qu'il manque un petit peu de trucs. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur du livre. Alors, je ne vais pas vous montrer le volume 2, mais vous avez compris, hein, c'est la même veine. Hein. Donc là, on est vraiment toujours pareil sur des beaux livres. Hein. Donc ceux qui aiment les beaux objets, vous ne serez pas déçus avec du Cornelius. Hein. Alors ceux qui n'ont jamais tenu de Cornelius dans leurs mains, parce que Cornelius, ça ne se trouve pas dans les grands magasins, c'est dans les spécialisés au mieux. C'est comme la dernière édition de Lone Wolf and Cub. Voilà, le Lone Wolf and Cub, c'est la copie conforme des éditions Cornelius. Donc, si vous avez vu les Lone Wolf and Cub dans un magasin, ben, c'est exactement pareil. Donc voilà, donc c'est super intéressant. Moi, je vous conseille vraiment de lire Une vie dans les marges. Il y a deux volumes. Il a mis, je ne sais plus, 10 ans pour écrire ça. C'était extrêmement long pour lui. Mais voilà, il a laissé un héritage qu'il ne faut pas louper. Moi, c'est ce que je peux vous dire en tout cas sur Une vie dans les marges. Hop. Il y a des pochettes qui sont à pile poil la taille, hein, je vous le dis. Alors il faut savoir, je vais justement rebondir sur ça et je vais vous montrer un livre qui aujourd'hui est assez difficile à trouver. Parce que comme je vous disais, on a tendance aujourd'hui en France à penser que le Gekiga est un genre qui ne parle que de social, de choses un petit peu plus tragiques, un peu plus graves, qui est 100%. 100% comment dire engagé qui est voilà c'est vraiment des drames sociaux etc et c'est un peu l'image qu'on a du Gekiga en France. Salut Begita. Et comme quoi le Gekiga c'est un peu pour certains la très haute littérature du manga et c'est un peu l'élite hein, qui lit du Gekiga etc etc sauf que nous du Gekiga on a le meilleur du Gekiga qui arrive et du Gekiga
très engagé. Faut savoir que du Gekiga, il y en a eu à l'appel et des grosses bouses commerciales. Il y en est sorti beaucoup parce que le Giga, c'est un genre qui a ouvert clairement la voie à des nouveaux styles. Mais par contre, ce côté très engagé, etc., c'est vraiment une partie qui s'est orientée vers ça. On peut le voir sur ma vidéo sur le samouraï. Quand on voit les trucs de samouraï qui sortent, je l'explique à un moment. Il y a plein de titres qui sortent qui sont un peu nazes, qui ne valent pas le coup parce que ben, c'est de la production. Et le Gekiga a connu la même chose. Parce que le Gekiga, au début, qu'est-ce que c'était? Quand Tatsumi a voulu concurrencer Tezuka, il a lancé le magazine Kage. Et dans Kage, on va dire, ah ben, du coup, on n'a que les drames sociaux, c'était génial et tout. Ben, pas du tout. Qu'est-ce qu'on avait dans Kage? On avait des histoires comme ça. On avait des histoires comme Black Blizzard. Et Black Blizzard, c'est une histoire qui date de 56, ouais, c'est ça, voilà, de 56. Et en fait, c'est un thriller. C'est un thriller. Donc typiquement, aujourd'hui, quand on lit un Monster, c'était le Gekiga de l'époque. C'était ça, le Gekiga. C'était juste du manga qui n'était pas à destination des enfants, donc avec des super-héros, des machins, et des trucs où il pouvait y avoir des histoires plus adultes, avec des morts, avec du sang, avec des gens qui pouvaient tromper les autres. C'est ça, en fait, le Gekiga. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut arrêter de mettre l'étiquette élitiste sur le Gekiga. Ce n'est pas ça, le Gekiga. Et là, typiquement, ce Gekiga-là, qui est sorti, c'est Tatsumi qui a dessiné ça. Donc là, on voit 1956, hein, on voit clairement que c'est daté. Et c'est un thriller, c'est-à-dire que là, on va se retrouver avec un tueur dans un train. Ça, moi, je l'ai lu, donc j'ai plus l'histoire en détail. Et ils vont se retrouver dans du brouillard, etc. Voilà, il y a l'accident de train. Et là, il n'y a pas de chronique sociale, hein, on est juste dans de l'action. Et ils veulent arrêter ce tueur-là. Donc voilà, c'est du fight, du combat. En fait, c'est pour ça que beaucoup disent ça. Alors, c'est un gros raccourci, hein, c'est pas tout à fait ça, mais beaucoup disent oui, c'est le seinen d'aujourd'hui. Oui et non. Parce que le seinen d'aujourd'hui, c'est du shonen up. À la limite, on pourrait dire c'est le seinen des années 70-80. Ça, il n'y a pas de souci, à la limite, je veux bien l'entendre. Le shonen d'aujourd'hui, le seinen d'aujourd'hui, aujourd'hui, moi, quand je dis du seinen, j'ai l'impression de dire du shonen. C'est pareil. Hein. Et donc, du coup, voilà. Et effectivement, comme tu dis, Zeno, c'est très inspiré du cinéma. Parce que justement, la révolution, elle venait du cinéma, avec des cadrages, avec plein de choses. Et c'est de là-dessus qui s'inspirait. Donc, ce livre-là, alors, c'est plus dispo, hein, c'est en anglais. Les malins peuvent encore le trouver sur Internet. Salut, Emmanuel. Et donc, du coup. Voilà, on voit vraiment là que c'est une série, c'est un thriller, c'est une série policière. Et ça, c'est ce qui sortait à l'époque. Et ça, c'est ça, le Gekiga qui révolutionnait Tezuka. Quand on avait du Astro Boy en face, on avait des choses comme ça, et bien, eux, ils voulaient dessiner ça. C'est ça qu'ils appelaient le manga différent, le manga adulte. Et ce qui n'est pas faux, parce que si vous donnez ça à un gamin, il va dire, oula, c'est peut-être un peu trop violent pour lui, quoi. Et dedans, il y a des morts, il y a des choses comme ça, il y a des gens qui se tirent dessus. Voilà, et qui survivent pas. Et qui survit pas. Ouais, là, c'est la jaquette originale. Hop là. Donc voilà, ça c'est une édition. Alors je pense pas que le plastique était avec le truc. Je pense que comme c'est une. Voilà, on voit que c'est un truc de librairie. Il n'y a personne qui l'a pris, donc ils s'en sont débarrassés. Et je pense que la protection, c'est eux qui l'ont rajouté. Je pense pas qu'il y ait de protection. À l'origine. Donc moi je l'ai laissé, mais je pense pas qu'il y en avait. Donc voilà, donc ça c'est le vrai Gekiga, il est là, le Gekiga original, la source même. Donc ce magazine, enfin ce livre, je l'aime beaucoup, j'étais très content de l'avoir. Je le trouve très intéressant et l'histoire est très sympa en plus à lire. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas chiant à lire. Hein. C'est plutôt cool. Ça a vieilli bien entendu. Aujourd'hui c'est une histoire très basique, mais à l'époque ça faisait son effet quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à l'histoire du manga, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de raccourcis dans l'histoire, et il faut remettre les choses dans leur contexte. Et le Gekiga social derrière, c'est du Tatsumi, plus des années 80. Voilà, donc plus des années 80. Et justement, tout à l'heure, je vous disais.
c'est j'avais découvert Tatsumi avec cette collection-là. Alors il faut savoir qu'à terme, puisqu'il y a des anthologies, ces histoires-là seront disponibles dans les anthologies. Tout n'est pas disponible aujourd'hui, il y a encore de l'inédit dans ces trucs-là, mais ça sera disponible à terme. Hein. Donc voilà, donc les plus patients, parce que ça met beaucoup de temps à sortir chez Cornelius, ça sera ça. Et pour vous montrer un petit peu, moi j'étais bluffé à l'époque par ces livres. Parce que, par exemple, Goodbye. Hop là, pas celui-ci. Donc là déjà on voit que le dessin est beaucoup plus mature. Là on est vraiment sur de la chronique sociale. Hein, et de la chronique sociale très pessimiste. Hein, on n'est pas du tout sur, on n'est pas du tout sur du joyeux. C'est vraiment très dépressif. D'ailleurs, dans ma vidéo sur le Kikitu, hein, le premier magazine en France, Atos Takemoto, le créateur, disait que c'était Tatsumi le dépressif. De mémoire, c'est ça hein, qu'il disait. Donc voilà, il avait vraiment cette image qui lui collait à la peau, quoi. Donc là, on va vraiment avoir des histoires assez noires, de manière générale. Souvent, ça va être des reclus de société, de la société. Des ouvriers, des choses comme ça, des mecs voilà, là, le mec s'est fait arracher le bras alors qu'il travaillait dans la machine. Et souvent, ça va être des histoires comme ça. Les histoires, elles sont vraiment géniales. Moi, j'ai adoré cette critique humaine. C'était vraiment génial. La fin dans Goodbye, bon, ben, c'était je sais plus comment elle s'appelait, il y a un nom particulier, donc, toutes ces prostituées qui avaient la clientèle américaine. Qui leur promettait de se marier, de machin, enfin, que des conneries, et qui du coup se font critiquer par les Japonais, et derrière, elle réplique en mode bah, écoute, t'avais qu'à gagner la guerre, hein, sinon je serais pas là, quoi. Et c'est ce qu'on retrouve, voilà, c'est ce qu'on retrouve même dans Sengo ou des choses comme ça. Donc voilà, Goodbye est très cool. L'arme de la bête, on va retrouver pareil des histoires. C'est ce qu'on va retrouver après dans les anthologies, je vais vous montrer. Voilà. Si ça va trop vite, hein, vous me le dites. Hein, je peux ralentir, accélérer. C'est vous qui me dites le rythme. Je m'adapte un petit peu aussi à. Ouais. Que si des fois ça vous intéresse pas plus que ça, il ne faut pas hésiter à le dire. Hein. Si je traîne trop sur un sujet, n'hésitez pas à me dire auteur suivant. Donc voilà. Et coup d'éclat, c'est la même. Et alors ça, je sais pas si ça se trouve encore, ces livres-là. Je les ai achetés il y a longtemps, pareil. Je les ai achetés vers début 2010. Entre 2010 et 2015, quoi. C'est la première partie 2010. Ouais, à chaque fois, c'est toujours un côté. Il y a toujours un côté un peu crado. Des gens qui se laissent aller à leurs pulsions primaires. Ça finit souvent en meurtre hein, ou en suicide. C'est pas joyeux du tout. Mais c'est une sorte de reflet de la société, d'un Japon qui sait pas trop où il va, quoi. Donc ça, c'était coup d'éclat. Hop. Il y avait une autre anthologie, d'autres histoires qui ne sont pas dans la nouvelle anthologie. Et c'est l'ancien format Cornelius, puisque maintenant Cornelius fait beaucoup de nouveaux formats. C'est un format qui n'est pas hardcover. Et en couverture souple, qui est l'enfer. Lui, pareil, ça fait partie. Les anthologies sont assez récentes, donc j'ai d'abord lu les Vertiges Graphiques, j'ai lu ensuite l'enfer, et après j'ai découvert le Black Blizzard et un autre et les anthologies. Voilà, là, l'enfer, c'est directement une histoire. Vous voyez, le fameux Dom là qui avait résisté à la bombe atomique. Et c'est une histoire d'hommage à ça, où on voit en fait. Un petit garçon qui fait un massage à sa grand-mère et ils sont morts en fait comme ça, carbonisés. Et donc du coup il fait un reportage photo dessus. Alors je vais vous spoiler un tout petit peu là, enfin vous spoiler la fin. Hein. Et en fait, à force d'enquête, il se rend compte que c'était un voleur qui était en train d'assassiner une mamie pour lui voler ses affaires quand la bombe est tombée. Voilà, c'est ce genre d'histoire-là très très pessimiste. Voilà, je continue un petit peu à vous montrer. On voit que le graphisme, hein, il est vraiment du Gekiga, là, ces années 70-80. Avec des personnages. Ouais, lui, il est chelou, là. Hein. C'est vraiment le pervers, quoi.
Hop là, je continue un petit peu. Ça me rappelle un petit peu, ça fait longtemps que je ne les ai pas ouverts, donc j'en profite pour regarder un peu dedans. C'est super chiant qu'ils soient emballés parce que je peux pas les ouvrir quand je veux. Donc voilà, donc super histoire, ça aussi. Vous pouvez l'acheter de manière. Comment dire, vous êtes. Autant les trois là que je vous ai montré avant, les vertiges graphiques, comme je vous disais, ça apparaîtra dans les anthologies. Donc ça, vous pouvez y aller. Par contre, je ne sais pas si l'enfer va paraître dans les anthologies. Je n'ai pas l'impression. Donc voilà, à surveiller. Et dans les anthologies, il y en a deux. Alors je ne sais pas lequel est le premier, je ne me rappelle jamais, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de date, mais c'est pas grave. On va l'ouvrir comme ça. Le premier, c'est Cette ville te tuera. Ça, j'aimerais bien qu'il fasse une exposition Tatsumi Angoulême. Donc oui, authentique. Généralement, après les lives, il y en a beaucoup qui souhaitent qui perdent leur PEL après. N'oubliez pas, il y a des liens pour soutenir la chaîne, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ah oui, mais d'ailleurs, petit point poisson d'argent pour Boris. Voici ce que mes poissons d'argent ont fait à mon anthologie. Voilà. On le voit là, et on le voit tout le long. Donc, il y a des liens Rétrocorp dans mes fiches. Tu peux les retrouver. Et si tu commandes avec mes liens dans la demi-heure, tu soutiens la chaîne. Donc tu peux aller les retrouver dans la description de la vidéo. Donc pareil, on va retrouver toujours ces mêmes personnes, rebuts de la société. Voilà, on va retrouver la même chose ici. Dans ces anthologies. Les anthologies sont super aussi. Hein. Moi, tout ce que j'ai lu de Tatsumi, il y a quasiment rien à jeter, quoi. Il n'y a quasiment rien à jeter. Par contre, voilà. Hein, comme je vous dis, très dépressif. Donc, si vous avez perdu. Enfin, si vous n'avez pas envie de trucs tristes, il ne faut pas lire ça. Voilà, l'autre, il va genre là. C'est un truc, je crois, de don de sperme, là. Et si l'autre, il rêve d'une nana qui est venue pour avoir un enfant. Puis à la fin, il finit par la violer dans le parc et il finit en prison, quoi. Enfin, c'est que ça, quoi. Ouais, Boris, c'est oui, mais c'est comme ça. Hein. Ça, c'est. Les poissons ont adoré mes livres. C'est pas grave. Je peux quand même les lire. Donc, ouais, on voit qu'il y a aussi beaucoup de nudité, de sexualité dans ses œuvres. Mais c'est pas gratuit. Très souvent, c'est pas gratuit. Donc, voilà. Beaucoup aussi voilà, de gens perdus dans la foule, hein, la foule de Tokyo, la foule des grandes villes. On sent en fait que voilà, il a une vision. Les toilettes, on l'a vu tout à l'heure dans l'autre. On sent qu'il a une vision très noire de la société, de son évolution, de la manière dont se comportent les gens. C'est assez marquant quand on le lit. Et même si on le lit aujourd'hui, avec 40 ans de décalage, ben, ça marche toujours. Hein. Ça marche toujours, ça fait toujours son effet, hein, cette histoire. Ça n'a pas vieilli. Je vais vous montrer la deuxième anthologie. Et après, il y a encore d'autres volumes que je peux vous montrer de lui. Des trucs un peu plus vieux encore. Oui, j'enlève. Hop là. J'enlève mes vieux scotch que j'ai mal collés à l'époque. Je m'amuse à les enlever à chaque fois. Voilà. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Parfait. Hop là. Rien ne fera venir le jour. Pareil, une autre anthologie. Il devrait y avoir de mémoire 5 anthologies. Donc si vous voulez découvrir Tatsumi, commencez à acheter maintenant les anthologies parce qu'après, vous ne pourrez plus. Non pas que ça ne sera pas disponible, parce que Cornelius réimprime régulièrement. C'est un éditeur qui fait attention à ce que son catalogue soit disponible. Mais plutôt qu'à chaque fois, ça coûte de 30-35 euros, vous vous doutez bien qu'il faut sortir les sous. Et si on n'achète pas au fur et à mesure, ça devient vite un budget. Hein.
Donc voilà, je vous montre un petit peu les images. Genre ça, c'est un garçon qui est brutasse, qui tue les animaux. Ouais, c'est ce genre d'histoire-là. Qui va acheter du Tatsumi là? À qui ça donne envie d'acheter du Tatsumi? À qui j'ai donné envie d'acheter du Tatsumi? Alors comme je vous disais, si vous voulez découvrir Tatsumi, hein, d'abord sur l'histoire du manga, il y a Une vie dans les marges. Sinon, vous pouvez tout à fait tenter directement les anthologies, Cette ville Totura où rien ne fera revenir le jour. Et bon, l'enfer, là, tu me dis qu'il n'est pas dispo, mais il y a peut-être des chances que Cornelius le Roi imprime dans une belle édition de l'enfer. Une édition comme ça, là, hardcover. Il y a des grandes chances que ça revienne comme ça. À l'époque, il ne faisait pas, mais maintenant, systématiquement, il imprime tout comme ça. Ce qui, au final, n'est pas plus mal, hein. Vu le prix des mangas, autant avoir une belle édition. Donc voilà. Alors il y a d'autres livres de Tatsumi qui sont sortis, que j'ai achetés aussi. Bon, ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de monde qui a envie de découvrir ça. Ça fait vraiment plaisir ça. Alors, c'est celui-ci. Fallen Worlds. Alors ça, c'est un titre anglais. Je ne crois pas qu'il est disponible aujourd'hui. Et c'est un Tatsumi qui est un peu particulier. Donc c'est pour ça qu'on a des anthologies de ses histoires courtes. Mais je pense qu'on n'aura pas toutes ces histoires chez Cornelius. Typiquement, ça, je pense pas que ça sortira. Donc c'est pour ça que Tatsumi il a dessiné plein de choses, mais les anthologies, c'est pas les intégrales. Et c'est une histoire qui se passe à l'ère Edo de mémoire, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Et c'est plutôt sympa à lire, c'est une histoire entière, hein, sur tout le volume. J'ai plus le détail de l'histoire. Hein. Mais quand je l'avais lu, c'était un bon moment, quoi. Ah oui, bah, c'est après les trois vies de Mizuki, effectivement, ça fait déjà une belle lecture en perspective, Emmanuel. C'est cool. C'est cool. Tu l'avais pris par rapport au dernier live ou juste comme ça, tu l'avais vu depuis un petit moment? Voilà, donc je vous montre un petit peu. Je ne peux pas vous en dire plus, j'ai plus assez de souvenirs sur ce livre-là. Autant je me rappelle de plein de choses, autant là, des fois, il y a des livres, je vais vous dire, j'ai aucune idée de ce que ça raconte, parce que ça fait trop longtemps, j'en ai lu trop, et ça m'a pas assez marqué pour me rappeler le détail de l'histoire. Ah ben cool, ça fait plaisir. Merci Manuel. Donc voilà, donc on va vraiment avoir une histoire. Là, je pense qu'il est quand même plus destiné aux fans. Comment dire que. Parce que ça change un petit peu de ces histoires qu'on a l'habitude. Parce que, comme je disais, on nous a présenté le Gekiga comme dramatique, etc. Et là, on est plus sur un truc un peu plus léger, plus comédie. Voilà, plus tranche de vie. Donc, il y a ça. Alors, il faut savoir que Tatsumi, et ça, c'est ce que j'explique dans ma vidéo sur le cri qui tue. C'était un des premiers à être paru en France. Alors, je ne vais pas vous ressortir les cris qui tuent parce que vous avez une vidéo complète pour ça. Mais. Ah mince, il est là-haut. Attendez. Voilà. Ce qu'il y a mon projecteur et que. Bah. Et je voulais pas le toucher. Ça, par exemple, ça fait partie des premiers albums qui ont été publiés en France. J'ai dit dans les premiers, hein, puisqu'avant il y avait Le Vent du Nord. Je crois, je sais plus s'il y en avait un autre. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un livre relié, c'est Tatsumi, Hiroshima. Et en fait, on retrouve l'histoire Goodbye. Ouais, ça c'est un livre qui est sorti en 84. 39 francs chez Artefact. Voilà, donc je sais pas qui était né en 84. Moi j'étais né, du coup. J'avais 3 ans déjà. Donc voilà, et là on va retrouver des histoires de Tatsumi. Donc il faut savoir que voilà, Tatsumi fait partie des auteurs qui ont été publiés très tôt en France. Donc ça c'est plutôt cool. Hop là, ça je vais le rentrer tout à l'heure. Voilà. On a fini ça, mais on n'a pas fini l'étagère, il en manque encore un.
Et j'en profiterai pour montrer le deuxième. Parce que je n'ai pas acheté le troisième. Moi, je les aime bien, les couvertures de Tatsumi. J'aime bien, mais ok, toi, tu les trouvais pas attirantes. Alors là, c'est plus un artbook hein, qu'un manga. Je vais vous montrer. Il y a un nouveau qui sort ce mois-ci chez Cornelius, toujours. Hein, puisque là, tous les Cornelius, ils étaient ensemble. Enfin, pas tous. Les Cornelius, Tatsumi et Tsuge étaient ensemble. Les autres Cornelius sont ailleurs. Ils sont dans l'étagère numéro 6. Et, hop là. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Alors, je vérifie si j'ai pas d'autres Tatsumi, mais je crois que c'est tout. Bon, ce qui était déjà pas mal, hein. Voilà. Il y a quand même pas mal d'inédits. Alors, c'est Toshio Saiki, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Lui, c'est un artbook, et en fait, il adore mélanger. Là, on est plus dans les Roguro, des choses comme ça. Il adore mélanger tout ce qui est très dérangeant. Genre là, l'autre est en train de faire un Miikaki. Nettoyer les oreilles avec un Mimikaki et qui lui perce l'oreille. Beaucoup de scènes comme ça avec des démons, le côté érotique. Alors là, on est plus pour les grands. Hein. Alors il faut savoir que on ne voit jamais d'appareil génital, rien du tout. C'est toujours caché, c'est sa force. Quel format, Thomas? Tu parles? J'ai pas compris. Donc du coup dans Rêve écarlate, voilà, on va voir beaucoup d'illustrations comme ça. Beaucoup d'illustrations très particulières, très dérangeantes, très souvent dérangeantes. Voilà le. Et c'est. Moi j'aime beaucoup, mais alors c'est très particulier. On le voit, à chaque fois c'est hyper dérangeant, c'est souvent avec des démons. Comme je dis souvent c'est masqué. Donc là, c'est un artiste très particulier hein, qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Et donc voilà, il y a un troisième artbook qui est sorti. Il faut que je l'achète, je ne l'ai pas encore acheté. Donc ça, c'était Rêve écarlate. J'ai pas grand-chose à dire, hein, parce que ça reste un artbook. Hein. Ça, c'est OK. Et après, le deuxième, c'est Redbox. Je l'avais montré, je crois, la dernière fois, Redbox. Un peu rapidement, je l'avais montré. Hop là. Voilà, c'est un format à l'italienne. Et en fait, on va avoir la même chose, des dessins. Et on va retrouver un peu à ça. Eh bien écoute, pour l'instant ça va, ils ont pas l'air de réagir. Ah d'accord, c'est les grimoires. Je comprends mieux Thomas. Merci Tic Tac en tout cas de l'avertissement, mais pour l'instant ça va, c'est pas des livres. Je fais attention. Après, là je pense qu'au pire, je serai démonétisé. C'est pas non plus. C'est pas du hentai. Et on reste sur du dessin. Le dessin est moins problématique malgré tout. C'est un peu plus permissif sur le dessin. Après, sur mes vidéos classiques, je censure pour que ça reste grand public. Mais là, c'est un peu compliqué de censurer en live. Voilà pour Toshio Saiki. Et voilà pour la Mangatech numéro 2. Ben, ça y est, c'est déjà. C'est presque 10 heures, on a passé plus d'une heure à finir avec quelques livres, mais il y avait beaucoup de livres hein, aussi. Et puis là, au moins, vous avez pu voir vraiment en détail Tsuge et Tatsumi et tout ce qui est sorti. Là, vous avez la complète. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir si vous voulez commander ces bouquins-là. Donc ça, c'était cool. Ouais, mais le dernier tome a l'air bien, donc j'ai hâte de l'acheter. Mais il faut que je le commande, comme d'habitude. Alors, on va aller voir un petit peu les votes pour faire la prochaine Mangatech. Et les votes, c'est la Mangatech numéro 6 qui l'emporte haut la main. Et Tezuka est bien descendu du coup. Hein.
Donc du coup, Boris, désolé, mais Tezuka va attendre un petit peu, mais tu auras encore plus de manga quand on fera Tezuka. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc on va attaquer la 6. Ben, c'est cool ça. C'est parfait. Donc juste à côté. Et on va attaquer par le bas, hein, comme on a fait la dernière fois. Ah mais je vois qu'il y en a qui sont contents que ce soit la 6. Alors dans la 6, il y a quand même, pour faire un peu le teasing, parce qu'on va pas tout faire ce soir, hein, vous vous doutez bien, hein, je suis trop lent à vous présenter tout ça. On a quand même du Kamimura. On a tout mon rayon Gekiga, enfin tout mon rayon auteur un peu alternatif, etc. On a tout mon rayon Eroguro. Alors là, par contre, je ferai attention pour pas me faire bannir. Et on a tous les mangas d'auteur de Cornelius qui sont tous là-haut. Donc ça, il y a une belle étagère là. Franchement, il y a une belle bibliothèque qui reste encore dans justement toute la thématique. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par des petits mangas plus connus, hein, puisque vous savez que comment dire, vous savez que le bas de la bibliothèque, ça reste des mangas souvent plus vieux, donc du coup en petit format, et c'est des shonen, des seinen que j'ai depuis longtemps et que je kiffe toujours à lire. J'aurais aimé quand même regarder dans la mangathèque numéro 6 ce qu'il y avait. Voilà, en bas. Voilà, parfait. Et bien c'est ce qu'on va voir là. Alors pour rappel, hein, je vous montre un petit peu l'image. C'est ça qu'on va voir. Hein. Toc. Voilà, c'est les prochains. Donc c'est ça dont on va parler. Donc ça va, t'es bon perdant. Bon, t'es pas trop perdant, Boris. Hein, je pense que tu vas avoir des trucs sympas. Alors, on commence. Le premier manga. Bon, et là, on va être sur du manga beaucoup plus mainstream, beaucoup plus connu. Parce qu'on a quand même attaqué fort avec du Tatsumi, du Tsuge, qui est quand même beaucoup plus spécifique, beaucoup moins connu. On a plus comment dire, les explorateurs des catalogues qui ont déjà pu en lire, mais c'est pas du tout des mangas pour le grand public. Alors là, on va parler par contre de mangas très grand public. Il y a pas de, y a, y a, tout le monde va s'y retrouver. Alors, le premier manga qui a bercé mon adolescence. C'est le fameux GTO. Alors quand GTO est sorti, je crois que c'était autour des années 2000, hein, que c'est sorti GTO. Alors mon édition est défoncée, hein, je vous le dis. J'ai l'édition, mais c'est vraiment pour avoir l'édition, quoi. Est-ce qu'on a la 2001? Ça va, j'ai un bon souvenir. 2001. Bon. Est-ce que quelqu'un n'a pas lu GTO? Je vais plutôt le tourner à l'envers, hein, ça sera mieux. Est-ce que quelqu'un n'a pas lu GTO? Qui l'a lu? Qui l'a pas lu? Parce que GTO, ça reste un manga qui est, mais culte. Culte, mais il ne faut pas passer à côté, quoi. Donc là, si vous n'avez pas lu GTO, vous êtes passé à côté d'un truc. Alors, il faut savoir, quand GTO est sorti, je sais que c'est un titre que Pika avait galéré à avoir, parce qu'il était très japonais dans ses références. Et sauf que Pika a décidé de le sortir en expliquant aux Japonais qu'il mettrait un petit lexique à la fin. Est-ce qu'on retrouve le lexique? Hop. Pas dans le 1, je pense qu'on doit le retrouver peut-être plus tard. Ah oui, peut-être au début alors. Voilà, il est au début. Attends, je rase sur le premier. Voilà. Il y avait un lexique comme ça. Pour expliquer ce que c'était les Yakuza, les Yankees, les Bozoku. Etc. Et ça, c'était comment dire, c'est les furios, etc. Et ça, c'était hyper important parce qu'on n'avait pas ces notions-là à l'époque en 2001. C'était nouveau, on voyait pas ce que. Enfin, donc ils ont bien fait de mettre ce lexique. Ça a beaucoup aidé. Pas juste vu un animé et dans ma palle. Pas lu. Ah là là, Nico, lu la base.
Et Tic Tac aussi. Et après, donc, Zeno, pas lu. Vu l'animé. Voilà, pas lu, mais j'arrête pas d'entendre. Début. Ok. Alors, j'ai vu l'animé il y a longtemps. Personnellement, je préfère largement la version manga. Je trouvais que la version animée est un peu grossière. Et surtout, ça couvre qu'un petit spectre du manga. Donc, si vous avez vu que l'animé, vous n'avez pas vu grand-chose. Et alors après, il y en a, je sais, qui ont kiffé l'animé. Mais moi, perso, en ayant lu le manga et tu vois l'animé après, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus drôle dans le manga. Et tout ce qui est les spin-offs, les GTR, etc., c'est pas oufissime. Hein. Donc, voilà. Alors là, je vois qu'il y en a plein qui l'ont pas lu. Alors, GTO, c'est l'histoire, c'est la suite d'un manga. Le manga, c'est Shonan Aigumi, qui a été renommé Young GTO en France, parce que c'est sorti après GTO. Mais en réalité, il y a une grosse histoire où, à l'époque, Onizuka, ce personnage-là, et son pote Ruiji, je crois qu'il s'appelle. Je vous dis ça de mémoire, hein, parce que ça fait des années que j'ai pas lu GTO. Ils se rencontrent à l'école, ça c'était dans Bad Company, okay, mais qui est sorti entre cette série et GTO. Hein, c'est le tout début, la rencontre n'est pas sortie au tout début. Et donc du coup, ce Young GTO, c'est quand ils sont à l'école et qu'ils font une bande de voyous, et c'est du furio, mais du furio très comique. Personnellement, quand je l'ai lu, je me suis vite ennuyé, ça tournait en rond, je trouvais pas ça ouf. Young GTO, moi j'ai pas kiffé plus que ça. Bon, je pourrais pas vous le recommander. Par contre, GTO qui est sorti avant, je peux vous assurer que j'ai eu des fous rires dessus. Et même, je l'ai relu il y a peut-être 5-6 ans, ce GTO, et j'ai eu des fous rires à nouveau, parce que c'est d'une débilité, mais des fois, c'est incroyable comme c'est drôle. Et en fait, ce qu'il y a, c'est donc GTO, ce qui se passe, c'est que, bon, ben, ils sont voyous, ils font tout le lycée à Shonan, et à la fin, ça se termine. Et ce qui se passe, c'est que quelques années plus tard, l'auteur a dit, bon, ben, je vais prendre mon personnage, sauf que ce voyou va devenir prof. Mais un prof voyou, ben, vous imaginez bien que ça donne rien de bon. Et donc, du coup, voilà, on le voit dès le début, genre, c'est quoi tes prestations? Ben, moi, je suis comme ça, je suis machin, je vais pas changer, je veux un salaire de temps. Et les mecs, ils l'ont regardé, ils font, bon, c'est bon, dégage. Et il va se retrouver, malgré lui, en fait, dans, comment dire, malgré lui, professeur, je ne vous explique pas comment, parce que c'est un gros loser qui est encore puceau, parce qu'ils ont essayé de conclure pendant tout Shonan Enigumi, ils n'ont pas réussi. Et là, bah, pareil, il est toujours dans cette idée de conclure. Là, on le voit avec son pote Luigi. Hop là, je passe un petit peu. Hop là. Putain, il est défoncé, mon livre. Défoncé. Je sais pas si on voit, mais le dos, il est éclaté. Et ce truc, il a fait tous les tours de l'internat à l'époque, quand j'étais au lycée, hein, je vous le dis. Hein. Moi, j'y étais pas, mais je le prêtais à des potes, il a fait le tour. Hein. Et donc, du coup, en fait, il va se raser la tête, etc., machin, tout ça. Je profite pour vous expliquer un petit peu, parce que pas beaucoup l'ont lu. Et il va devenir prof malgré lui, mais une sorte de prof stagiaire. Mais en fait, à chaque fois, il a vraiment un bon cœur, Onizuka. Donc, il va essayer d'aider les élèves qui ont tous des problématiques. Et à chaque fois, il se met dans des situations débiles. Il y a plein de filles qui le chauffent et compagnie, mais il peut rien faire. Il se retrouve dans des situations pas possibles. C'est hyper, hyper, hyper drôle. Et surtout, en parallèle, ça évoque énormément de sujets sur le malaise des jeunes, le suicide, l'ajimé, les enfants qui sont abandonnés par leurs parents parce qu'ils sont carriéristes et qui doivent se livrer à eux tout seuls. Des élèves qui vont essayer de le piéger, ils ne vont pas réussir. Et chaque fois, Onizuka, il s'en sort, mais de façon là. Et dès qu'il a emmerdé Onizuka et qu'un élève lui casse les couilles, il appelle sa vieille bande de motards. Et le soir, ils foutent une raclée aux gamins. Et hop, ils sont calmés. C'est un peu sa méthode. C'est vraiment n'importe quoi. Et il faut vraiment lire GTO, parce que même si moi je l'ai lu pendant mes années lycée, et bien sûr, tu lis un truc dans le lycée, ça te correspond et tout, même quand tu le relis après, je trouve que ça marche toujours, et je trouve que c'est vraiment, vraiment génial.
Alors, j'ai vu tout à l'heure, il y a effectivement 25 volumes dans cette édition-là. Ça a été réimprimé en 12 ou 13 volumes avec l'édition double. Et le truc, c'est que peut-être qu'on pourrait lui reprocher un dernier arc. À un moment, il y a une directrice qui arrive. Un dernier arc qui aurait pu être facultatif. Mais c'est pas grave. Le plaisir est quand même là. Et il ne fait pas trop traîner l'histoire. Et c'est ça qui est agréable. Très souvent, dans les mangas, on avait l'habitude de voir des histoires comment dire, qui traînait trop, et ben là, non, là, je trouve que ça va. Il réussit à terminer pas trop tard. Et genre, par exemple, là, il y a une nana, elle veut se suicider, il veut l'aider, et lui expliquer, ouais, mais non, c'est pas bien, etc. Et en fait, c'est lui qui la pousse dans le vide parce que c'est un gros naze, et donc, du coup, elle tombe, et donc, du coup, il va se jeter dans le vide pour essayer de la récupérer. Et bien sûr, il va tomber sur la voiture du. Alors, bien sûr, à chaque fois, elle est morte, ils sont retrouvés dans une situation totalement abracadabrante. Et très souvent, il va exploser la voiture du directeur et le directeur le déteste. Donc, et c'est très drôle de voir tout ça parce que lui était un petit peu protégé par rapport à sa situation, vous verrez. Ceux qui veulent découvrir GTO, allez-y. Moi, j'ai passé des fous rires, mais j'ai dû lire cette série au moins 5 ou 6 fois. Des fous rires à chaque fois, et même en le relisant aujourd'hui, je trouve que c'est toujours efficace. Et comme je sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Evil. Non, voilà, non, c'est Thomas. Effectivement, les vannes elles sont nazes, mais elles sont efficaces, elles sont drôles. C'est des vannes très premier degré, très pipi caca, mais ça marche en fait. Et il y a beaucoup de références qui sont cool parce que c'est des références d'époque de Super Nintendo, PlayStation et tout ça. Et quand on est un peu geek et qu'on aime les jeux vidéo, on retrouve toutes ces références de trucs. C'est vraiment génial. Franchement, GTO, c'est vraiment génial. Je lis un peu vos commentaires. Hein. Si je le trouve en médiathèque. Ok. Il y a des HS. Ah, en fait, un moment dans l'histoire, il s'absente 14 jours. Et c'est ça qui a donné une suite qui s'appelle Shonan 14 Days, que j'ai aussi, qui n'est pas sur la même étagère, mais qui est là. Et j'en parlerai le jour où on en parlera, mais c'est nul. Hein, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas nul, mais c'est pas du GTO. Honnêtement, la seule série qui vaut le coup, c'est GTO. Shonan Gumi, c'est du furio comique. Moi, je trouve que ça a mal vieilli. C'est très redondant. C'est pas top. Toutes les suites de GTO, les spin-offs, etc., c'est pas foufou. Moi, j'en ai lu pas mal et j'ai arrêté parce qu'en fait, ça me fatiguait. Je trouvais pas ça terrible. Donc voilà pour GTO. Je sais pas si y en a qui ont des questions dessus. Donc voilà. Donc si vous ne l'avez pas lu, sachez que ça, en tout cas, dans le manga français, hein, je parle dans la culture manga française, c'est un indispensable. C'est un truc qui a marqué. Des milliers de personnes, et c'est vraiment une époque en fait. Donc, ça, il faut pas passer à côté. C'est un peu comme lire un Fly, un City Hunter, un Ken. C'est des trucs qui ont marqué leur époque et c'est pas un manga lambda, GTO. Donc, vraiment, ne passez pas à côté de GTO. C'est un excellent manga. Ça me donne trop envie de les relire parce que c'est de la connerie en barre. Oui, Evil, effectivement, mais d'habitude, tu dors à 10 h. Donc, dans 2 minutes, je sais que tu t'endors. Hein, j'ai noté ça, c'est ta femme qui te balance à chaque fois, hein, je te précise. Ben, du coup, dans 2 minutes, je sais que tu dors. Donc si à 10 h 01 tu m'écris, là ok, t'as battu ton record. Allez, je propose de passer au manga suivant. Donc GTO, la base, voilà, c'est la base, GTO. Il faut ne réfléchissez pas. Et dès le début, ça commence fort. Donc, toute façon, lisez 2-3 volumes. Si vous n'aimez pas au bout de 2-3 volumes, il faut abandonner. Ce n'est plus. C'est un manga qui ne vous plaît pas, dans le sens où peut-être qu'il est de son époque et que maintenant vous avez d'autres attentes. Moi, j'ai 40 ans, donc je n'ai pas peut-être les mêmes attentes qu'un lecteur qui a 20 ans aujourd'hui. Donc, moi, je ne connais pas vos âges dans le public qui regarde aujourd'hui. Vous êtes une trentaine, là. Je ne connais pas vos âges, mais je sais que dedans, il y en a, vous avez des fois 25 ans, des choses comme ça. Mais je pense que GTO, ça marchera toujours. Parce que c'est un peu universel comme sujet. Voilà. Même si voilà, il y a des trucs que je vous montre. Genre Onizuka, ben, c'est un gros puceau bordélique. Quand on rentre dans sa chambre, c'est le gros bordel.
Le gros bordel, poupées gonflables, des mouchoirs, rien que lire les petits commentaires partout, c'est mort de rire en fait. C'est mort de rire parce qu'il a pas de. Le mec, il a pas de tabou en fait. L'auteur en fait, il se fait plaisir. Voilà, ou Jarla, voilà. Il y a une nana qui va chez lui, puis elle trouve un paquet de nouilles avec un trou dedans. Mais qu'est-ce que tu as fait avec tes nouilles? Et ça sent mauvais. Voilà, et c'est que de ce genre de blague-là, mais ça passe super bien et c'est super drôle. Ouais. Et toujours pareil, avec ses super têtes, comme ça. Et ça aussi, c'était un gimmick très très drôle. Là, par exemple, voilà, c'était des. Pour montrer un autre passage, ça c'est volume 1, hein, je ne spoil rien là. Des élèves qui le font chier. Du coup, il va les choper avec son ancienne bande. Avec la tête, voilà, en mode. Non, mais là, on est plus, il n'y a plus de prof, il n'y a plus d'élèves là. Mec, c'est fini. Et il les défonce. Il les défonce en les noyant dans le truc. Ah ben, le lendemain, c'était beaucoup plus calme. Donc voilà. Ouais, c'est la version japonaise d'American Pie. Ils ont dû s'inspirer, effectivement, American Pie. Donc voilà pour GTO, je pourrais en parler. C'est le genre de manga, je pourrais vous les défiler et vous raconter l'histoire et vous dire à quel point j'ai rigolé. Mais sachez que j'ai rigolé comme un gros débile des heures et des heures sur ce manga. Manga suivant, un manga pareil, culte, qui aujourd'hui doit avoir vieilli, clairement, mais je l'ai dans ma collection parce que ça fait partie des mangas qui m'ont marqué, c'est Video Girl Eye, Un amour impossible. Je crois que c'est sûrement une des premières éditions, je pense. Elle est encore dans le sens français. C'était une des premières éditions qui arrivait avec la jaquette. Voilà. Bon, pour vous dire comme c'est vieux, regardez comme c'est cool là. Il y a la cassette vidéo. Qui a connu la cassette vidéo dans le chat? Qui est assez vieux comme moi qui a vraiment connu la cassette vidéo? Alors, vous voyez les mangas, hein, les vieux mangas qui vieillissent, les bords jaunes. Voilà. Là, vous avez beau frotter les bords, hein, les bords, ils sont toujours jaunes. Alors là, on est dans de la romance. La romance de garçon, hein, pour garçon, je veux dire. C'est pas du shoujo, c'est vraiment du shonen. Donc on a une romance qui est un petit peu différente. Et ce qui se passe, c'est qu'on a Yota. Yota qui est un petit garçon classique. Il n'y a pas de. Il y a rien de truc. Et donc du coup, cool, si t'as connu, soit. À 23 ans, c'est cool. Et donc du coup, bon voilà, il est un peu nulos, hein, c'est un garçon tout à fait lambda derrière. Et il va un jour rentrer. Et en rentrant, il va trouver, je vous passe un petit peu. Hop. Il va trouver. Attendez, je me tourne ma tête. Il va trouver un vidéoclub, puisqu'à l'époque, il y avait des vidéoclubs. Où on pouvait louer des cassettes. Et il va trouver un vidéoclub, il n'y a que lui qui le voit. Salut Clem, bienvenue. Et donc du coup, et ben, du coup il va louer une cassette, genre, ben, vas-y, aïe Amano, je te consolerai, il est tout triste. Et donc du coup, il va la louer, la mettre dans son magnétoscope. Et là, ben, comme par magie, elle sort. Alors c'est pas Ring, là c'est pas un truc d'horreur. Et la nana va sortir de l'écran. Salut Rude, je l'ai bien dit là, Rude. Ok, donc tu ne m'engueules pas si je dis round ou ronde ou machin, j'ai dit Rude. Parce qu'à chaque fois, le pauvre, je prononce mal les mots. Mais vous l'avez vu en même temps, la prononciation des titres, c'est pas ça. Ma foi, les haïkus, j'ai eu du mal. Donc, ok, donc il y en a plein qui ont connu, donc les cassettes vidéo. Connu, connu, connu. Moi, ça n'existait pas encore. Quoi, ça n'existait pas encore, Emmanuel? T'as quel âge? Je l'adore, le héros, je suis tellement reconnu à son personnage. D'accord, il y en a plein qui l'ont eu, les vidéos futures. Donc voilà, Video Girl, donc de Katsura. Donc à l'époque, Katsura, c'était un auteur. C'était un auteur qui était. Enfin, il y en avait plein des trucs. J'avais tout, hein. J'avais Ace, enfin Aizu. J'avais les Z-Man, mais les petits, hein, le one-shot. J'avais les Shadow Lady. Mais j'ai un peu saturé de l'auteur et j'ai tout revendu. J'ai gardé que Video Girl. Alors. Donc là, je vous explique un peu le début. Et bien sûr, ben, va commencer entre eux. Wingman, c'est une série que j'ai
J'irai Shkwit. Je l'avais lu en Pika et j'ai pas du tout aimé Wingman alors que j'adorais le dessin animé. Et voilà, c'est comme ça. Attends, on va éviter. Alors il y a un petit peu de côté coquin, hein, puisque ça reste pour les garçons. Il faut bien montrer quelques culottes et quelques petits nichons. Donc du coup, il y a ça. Et en fait, ben, elle va l'accompagner et bien sûr, il va se passer un truc entre eux. Voilà. Et ça va pas se passer comme ça parce que naturellement, lui est amoureux d'une autre fille. Pour des raisons totalement abracadabrantes, ils vont se rapprocher. Et ben, ça va faire un triangle amoureux, les fameux triangles amoureux que l'on connaît dans les mangas de romance. Et ça va être, ben, ça c'était mon premier manga de triangle amoureux derrière. Donc, Video Girl High, c'était à l'époque en tout cas une excellente lecture. Il y avait un côté un petit peu coquin, machin et tout. Hein. Quand tu lis ça, t'as 15-20 ans, t'es toujours content. Hein. Et franchement, c'était cool à lire et je trouvais que l'histoire avançait bien, mais surtout il y avait un côté, un moment très émouvant dans l'histoire. Il va se passer des choses et il y avait un côté très très émouvant et je trouvais ça vraiment super cool. Ah oui, d'accord, ouais, 48 ans, ok. Ok, oui, donc effectivement. Tu as vu les cassettes vidéo arriver, oui. Et donc voilà, donc je trouvais que c'était vraiment super comme histoire. Alors aujourd'hui, avec tous les titres qui sortent, est-ce que Video Girl est aussi bien que les dernières séries? Je ne sais pas. Ça, par contre, il faudrait vraiment que le lectorat d'aujourd'hui me le dise. En tout cas, moi, à l'époque, voilà, j'ai adoré Video Girl et je les garde, mais ça, c'est la nostalgie, c'est parce que c'est ma collection quand j'étais plus jeune, quoi. Et donc ça, voilà, c'est pour ça que j'aime Video Girl. Alors il faut savoir qu'il y a 15 volumes. Les deux derniers, c'est Video Girl Len, qui est une petite histoire courte avec une autre Video Girl qui est pas faux folle. Donc en fait, la série fait 11 volumes. Ouais, il y a un arc ou deux qui aurait pu être évité, mais dans l'ensemble, ça reste quand même cool à découvrir. Donc là, je sais pas si c'est disponible. Je vois Thomas qui dit que ça devrait être réimprimé. Voilà, il y avait les séries, je me rappelle, de Katsura, c'était DNA carré. Pareil, je lisais ça à l'époque, je trouvais ça mais génial. Je l'ai relu, j'ai fait, oh mon Dieu, que c'est nul. Mais voilà, parce qu'on n'a pas du tout la même vision, c'est vraiment, vraiment pas bon. Et Video Girl, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, mais quand je l'avais relu, il y a peut-être une bonne dizaine d'années déjà, j'avais trouvé ça franchement bien. Je trouvais qu'il y avait toujours quelque chose dans la série. Un côté un petit peu intemporel, hormis les vidéos, les cassettes qui sont datées de l'époque, je trouvais qu'il y avait encore un côté un peu intemporel dans les relations, ce qui se passe. C'était efficace en fait. Le manga était efficace dans le triangle amoureux. Donc ta nièce n'a pas aimé qu'elle est plus jeune. Et c'est peut-être possible que la nouvelle génération n'aime pas ça. Et en fait, aujourd'hui, les titres, je pense, qui marcheront mieux, c'est genre les Rent a Girlfriend, par exemple. Quand on l'avait lu pour Bunko, Rent a Girlfriend, j'avais un peu l'impression de retrouver du Video Girl, les mécaniques de Video Girl, mais modernisées dans notre époque de maintenant. Alors que c'est vrai que la série Video Girl là a quand même pris un sacré coup de vieux. Même si moi, j'aime bien les dessins, j'aime bien tel que, enfin, le comment dire, ce que Katsura propose, voilà, ça a quand même pris un coup de vieux de ce côté-là, quoi. Mais oui, ouais, comme tu dis, Clem, il y a vraiment le côté nostalgique de ça. Et puis il y a toujours un côté toujours un peu coquin. À l'époque, on aimait bien aussi. Mais ça y est toujours. Voilà, les petites culottes qui dépassent. Avec des filles un peu sexy. Donc voilà, toujours des jolies filles. Voilà, souvent en train de rêver, bien entendu. Donc voilà, donc je vais pas m'étaler plus parce qu'après, là, je me répète. Mais je pense qu'en plus, dans les nouvelles éditions, vous aurez surtout une meilleure traduction et un papier qui est blanc. Parce que moi, mon papier, il est jaune. Hein. Il est jaune. Il a vieilli. Et alors, typiquement, si je dois le relire, je pense que je choperai plutôt une version numérique et je me relirai en numérique pour apprécier les dessins à sa juste valeur, quoi. Allez, manga suivant. C'est un manga d'une autrice qui vient de sortir une nouvelle série chez nous, qui est Mushishi de Yuki Urushibara. Qui a lu Mushishi?
Alors, il faut savoir qu'il y a un dessin animé de Mushishi, hein. Evil, tu es toujours là ou tu dors ou pas? Parce qu'on a dépassé 10 heures, hein. Donc, si tu n'écris plus, c'est mort, hein. Alors, Mushishi, voilà, moi, il y avait, j'ai vu l'animé aussi, donc c'est très contemplatif l'animé, c'est très bien. Et franchement, il y a des musiques et tout qui sont très très cool. Et le manga, je trouve qu'il est, il est même mieux que l'animé, même si dans l'animé, il y a l'ambiance. Parce que l'animé, on pourrait peut-être lui reprocher un peu des longueurs dans les épisodes, alors que ben, le manga est un peu plus concis. Alors, il faut savoir qu'à la base, c'était un one shot, et finalement, ça a marché, donc l'autrice a eu le feu vert pour en faire une série. Et Mushishi, c'est l'histoire de lui, Jinko, je crois qu'il s'appelle, ou Ginko, qui est un Mushishi, un chasseur de Mushi. Et les Mushi, ce sont des sortes de d'êtres spectrales qui peuvent faire du bien ou du mal. C'est-à-dire que certains vont parfois manipuler des humains, ou du moins jouer avec eux, entre guillemets. Et donc du coup, c'est lui va arriver pour les faire disparaître et faire disparaître des fois des maladies, des choses comme ça. Donc effectivement, ce que je dis, moi, le rythme de l'animé est assez lent. Et donc du coup, moi, je préfère le manga, mais l'animé, il y a une ambiance qui est très cool. Bon, merci, Lady, de m'informer de l'état de Evil. S'il m'endort, s'il s'endort, tu me notifies, hein. Ok, je compte sur toi. C'est important. Tu es en charge de me dire quand Evil s'endort. Alors, donc le manga, je vous le remets. C'est exactement ça, hein. Ça fait tout à fait penser au yokai. Et donc du coup, on va être vraiment dans un Japon rural, un Japon du début des années 1900, même si ce n'est pas spécifié de ce côté-là. Eh bien écoute, avec plaisir Clem, je te souhaite une bonne nuit, et de toute façon, il y a le replay pour ça. Donc merci en tout cas d'être passé, et c'est avec plaisir de vous faire découvrir tout ça. Du coup, donc en fait, au début, on va voir des mushis. L'autrice, on va dire, cherchait un petit peu son concept. On voit rapidement qu'après, elle a trouvé comment les représenter de façon très, très imagée, premièrement, mais aussi les mushis n'ont pas de consistance. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a pas de corps. Ça reste un esprit, ça reste quelque chose qui est gazeux, à la limite, je dirais. On ne peut pas vraiment les attraper, les esprits. Et à chaque fois, ça se passe dans un Japon rural, vraiment dans les montagnes perdues, les petites campagnes, les villages isolés. Donc ça donne une ambiance très, très ésotérique, très, ce côté un peu fantastique, un côté mystique, en fait, à l'œuvre. Et c'est un peu la force de Mushishi, parce que l'ambiance est déjà sa première force. Et on va retrouver à chaque fois voilà, par exemple, elle qui a des cornes, et non pas parce qu'elle est cocu, hein, c'est juste c'est un mushi. Et bien du coup, lui va arriver, il va comprendre le truc, et il va faire dissiper tout ça comment dire, pour qu'elle retrouve une vie normale. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à travers toutes ces rencontres, à travers tous ces personnages, elle va surtout montrer des personnes qui sont très humains. Et en fait, qui essayent de surmonter leur souffrance, en fait. Par exemple, quelqu'un qui a perdu quelqu'un de sa famille, sa femme ou sa sœur, des choses comme ça, ben Mushishi va un petit peu le posséder pour lui permettre de la rencontrer sous forme spectrale. Sauf que lui, en fait, comment dire, il va tomber de maladie, ou il se fait un peu manipuler, posséder. Et en fait, on ne peut pas lui en vouloir à cet humain. Lui, tout ce qu'il avait envie de revoir, c'était un être cher, par exemple. Et donc Ginko, donc le Mushishi, va lui faire comprendre que non, il va faire disparaître le Mushi. Et c'est que des histoires comme ça, des histoires très humaines. On comprend, des fois il y a des actes, on se dit, mais non, tu peux pas faire ça, mais on comprend pourquoi il fait ça. Et c'est la force, en fait, de l'autrice, c'est qu'elle rend vraiment, il y a une humanité qu'elle décrit, qu'elle dépeint dans ses mangas. Et c'est ça qui est super intéressant. En plus que ben, graphiquement, et comme je disais, l'ambiance, sont super beaux. C'est
très plaisant de les lire. Voilà, exact. Ah, d'accord, voilà. Donc c'est merci soit de me rapporter les précisions, puisque pareil, ça fait un petit moment que je ne les ai pas lus. Donc effectivement, les mouchis vont les parasiter, l'empêcher de faire leur deuil. Et c'est voilà, c'est vraiment des portraits humains, et c'est très intéressant à lire. Et je trouve il y a vraiment une poésie en fait qui se dégage de Mushishi. C'est vraiment ça qui ressort tous les arguments que je vous ai dit avant là, plus une poésie générale. Et sans parler qu'on est avec un manga qui est dans la nature en fait, dans le respect de la nature, dans comment dire vivre avec justement les esprits des animaux, etc. C'est un manga qui est très respectueux en fait de la nature. Donc si vous voulez faire une idée, vous pouvez essayer l'animé. Sachant que la saison 2 est bien mieux animée, mais c'est la suite hein, de la saison 1. Et pour ceux qui ont envie de découvrir, n'hésitez pas à essayer Mushishi. Il y a un nouveau titre de l'autrice qui est arrivé, qui est Flou. Et il faut que je l'achète. Je pense que je vais me le prendre en numérique, celui-ci. Et donc j'ai bien envie de découvrir ce qu'elle est capable de faire. Et je crois qu'en France, on n'a que deux titres d'elle, hein, on n'a pas autre chose. Donc voilà pour la première rangée de la nouvelle Mangatech. Ah mais tu les lis, c'est cool. Qu'est-ce que t'en penses, Suji? T'en es où et t'en penses quoi? Est-ce que ce que j'ai dit correspond à ce que tu as ressenti dans le manga? Voilà, parce qu'il y a des histoires qui sont vraiment très humaines, hein. Je vais chercher la suite. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Underwater, effectivement, je l'ai là-haut, mais j'en parlerai quand on arrivera là-bas. Alors, on continue. Alors, fais voir, tu me dis, je suis en train de lire. Les paysans sont perdus, les Ginkgo et le médecin expliquent leur fonctionnement car il est vraiment le spécialiste qui en connaît un rayon. Tout à fait. Et Underwater, donc comme tu disais, qui est une très très bonne série, Underwater en deux volumes. Et on parlera de Underwater la prochaine fois, du coup. Enfin, quand on arrivera à la Mangatech numéro 1. Allez, série suivante. Une série hyper connue. Une série de sabres. Vagabond. Vagabond. Là, je dis, on est vraiment dans les mangas, de, comment dire, de l'époque, quoi. Enfin, je veux dire que ça, c'est hyper hyper connu. Par contre, je vois que ça a changé. C'est pas ça. Hop. Ils sont où? Ils sont là. Voilà. Je regarde parce que comme j'ai déplacé des mangas. Je veux pas vous, je voudrais vous montrer les mangas comme ça. Après les autres, ils sont dans la vidéo, donc c'est pas grave. Bon, mais c'est cool si t'apprécies la lecture. Tu verras, moi je trouve que ça monte en puissance au fur et à mesure Mushishi. Donc Vagabond, et le premier, il est cool parce qu'il y a un petit truc doré là. On le voit pas bien, mais il y a un truc doré. Alors Vagabond, effectivement, série pas terminée, 37 volumes, on attend toujours la suite. L'auteur, on ne sait pas s'il va la reprendre parce que il a dit de lui-même, c'était une série dans laquelle ça lui demandait énormément d'énergie et ça lui demandait, comment dire, en fait, ça le mettait un peu en dépression quoi, quand il faisait ça parce qu'il était tellement dans l'état d'esprit des personnages et ben, du coup, il voulait pas, il a du mal à se remettre là-dedans en fait. Il a vraiment une démarche artistique où il est énormément impliqué et c'est compliqué pour lui. C'est exactement ça, c'est un sabre pas très connu en plus, que personne ne connaît. Donc la belle époque Tonkam, alors à l'époque Tonkam, ça sortait à 9 euros je crois, c'est ça, 9 balles. C'était les premiers sorties livres qui sortaient à 9 balles et tout le monde était là, ouais mais l'édition est trop bien, il y a des pages couleurs et puis le dessin est magnifique, donc comme si le dessin expliquait le prix, tu sais. Donc ça c'est un peu les justificatifs qu'on se donnait à l'époque. Alors Vagabond, sur les 37 volumes, il faut savoir que je n'ai lu que 20 volumes.
Je n'ai jamais lu la fin. Parce que, en fait, quand ça sortait ben, au fur et à mesure. La publication a été très, très erratique, enfin, voilà, qui a été étalée sur des années et des années. Et je me suis dit, ben, je vais attendre la fin. Et sauf que ben, la suite est sortie. Moi, j'ai lu 20 volumes à l'époque, que le volume 20 était sorti. Et le truc, c'est que ben, je n'ai jamais lu, pour l'instant, la fin, entre guillemets, tout ce qui est sorti. Et je me dis, ah ben non, je vais attendre la fin, mais la fin n'arrivera jamais. Donc c'est une série, je vais me relire dans pas longtemps, je pense cette année, pour essayer de me dire, allez, je serai à jour. Et donc l'arc Sasaki, alors ça c'est peut-être après. Donc du coup, alors c'est quoi tu dis maintenant sur mon logiciel de commande de livres, le numéro 38 est déjà annoncé, mais sans date. Et Inoue a déjà sorti le chapitre final. Mélange entre manga, tableau et exposition d'art, seulement trouvable sur Internet. Mais écoute, je ne suis pas du tout au courant de ça. Si tu as plus d'informations, Emmanon, à envoyer, si tu peux me les envoyer en privé par mail, Discord, n'importe, ou même là, si tu as des informations à partager. Moi, je suis très intéressé de savoir où ça en est parce que j'avoue, j'ai jamais regardé quel chapitre était publié au Japon après le 37. Donc Vagabond, donc, qui reprend l'histoire de Musashi, il faut savoir que quand c'est sorti à l'époque, ça a été une claque, mais une claque monumentale, parce que graphiquement, on n'avait jamais vu un manga aussi beau. Clairement. Eh bien écoute, je veux bien, comme ça, je jetterai un œil là-dessus. Et donc voilà, donc point de vue graphique, bon, les pages couleurs, tout ça. Il y avait un détail dans les planches, franchement, à l'époque, on n'avait jamais vu ça. C'était une qualité pour un manga qui était sérialisé, qui n'était pas du hard, enfin, qui n'était pas du hardbook, qui n'était pas quelque chose vu des illustrations. Alors aujourd'hui, Inoue, voilà, il est entre guillemets inégalé, mais on a des mangas qui sont d'une qualité qui sont incroyables aujourd'hui. Et là, ben, à l'époque, en tout cas, on n'avait jamais vu ça. Salut Julien, bienvenue à toi. Et donc du coup, bon ben, grosse grosse claque. Et tout le monde a lu Vagabond et tout le monde se faisait Vagabond à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, Vagabond marche encore très bien. Hein. Ça, ah oui, Olimat, d'accord. L'enfer va être repris intégral également. Ok. Bon mais parfait, comme ça, vous n'aurez pas ce que je disais. Ouais, je pense que. Pour Tatsumi, le comment s'appelle ce que je disais, il y a de grandes chances qu'ils reprennent, mais ben, je crois que j'ai dit ça, mais je sais même plus à force, c'est à force de parler. Mais en tout cas, voilà, ne n'achetez pas l'enfer, ça ressortira. Non, il n'y a pas de souci, Olima, tu fais bien de préciser. N'y a pas de souci, Dorothée, y aura les. Il y a les replays. En plus, vous êtes nombreux, vous réagissez, c'est cool. Parce que les lives, le but, c'est qu'on discute ensemble, c'est qu'on partage un bon moment. Et je vous fais découvrir des titres. Bon, là, Vagabond, tout ce que je vous ai fait découvrir là juste avant, c'est hyper connu. Hein. Mais du coup, je vous fais découvrir les titres. Et derrière, derrière, on passe un bon moment ensemble à discuter de ça. Donc, ça reprend à la façon de nouer donc, le roman La Pierre et le Sabre. Et donc du coup, voilà une version plus personnelle, l'intégrale avec le pass culture. Ouais, c'est ça. D'accord, Emmanuel. Ouais. Donc c'est bien que tu sois libraire et que tu nous le dises. Et ça intrigue beaucoup parce que ça fait partie de ces séries hyper cultes de l'époque et en plus avec un graphisme qui aujourd'hui est toujours incroyable. Et donc c'est pour ça que ça plaît quoi. Voilà, on le voit. Et donc ça va suivre bon, bah, l'histoire de Musashi. Je vais pas vous la refaire parce qu'après c'est l'histoire du roman. La différence, si j'ai bien compris dedans, c'est que Musashi, donc c'est quelqu'un qui va être très impulsif. On va le suivre de l'extérieur, c'est-à-dire que on n'est pas à l'intérieur de lui. On ne sait pas ce qu'il ressent. Tout ce qu'on voit, c'est ses réactions. Ses réactions de colère, ses réactions de, je sais pas moi, de joie, etc. Donc c'est à nous d'analyser, entre guillemets, ce qu'il y a. Par contre, il va avoir plus tard un rival. Et son rival, donc c'est Sasaki, justement. Et lui, ce rival, Inoue a décidé de le dessiner différemment. C'est-à-dire que il est sourd, en fait.
Et en étant sourd, donc du coup, il ne parle pas avec, puisque très souvent, les personnes sourdes n'ont pas développé leur organe vocal, donc du coup, ils ont du mal à parler. Et ce n'est même pas qu'ils sont muets, hein, c'est justement, ils peuvent parler, mais ils n'ont pas développé. Et en fait, avec Sasaki, hop, je vais peut-être prendre le volume 23. Voilà, c'est lui, Sasaki. Sasaki, lui, en étant sourd, en fait, Inoue, en plein milieu du manga, va changer de personnage. Il va passer de Musashi très impulsif à Sasaki, qui est lui très stoïque, très calme. Il ne dit pas un mot. Et en fait, on va le suivre de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va suivre. C'est ça, je crois que c'est ça, hein, ou c'est le contraire. Je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps, vraiment, vraiment longtemps que je l'ai lu. Hein. Donc, c'est Musashi qu'on suit de l'intérieur ou Sasaki ou de l'extérieur? Parce qu'il y en a un en gros, et là je ne me rappelle plus, peut-être que je vous dis une connerie. Il y en a un en gros, on le suit de l'intérieur et on connaît ses sentiments, alors que l'autre, on le suit de l'extérieur. Je crois que c'est le contraire en fait. C'est justement le sourd qu'on a de l'extérieur, on a du mal à le comprendre. Et Musashi qu'on suit de l'intérieur, on a toutes ses pensées. Je crois que c'est ça. Ceux qui l'ont lu récemment, là, ou qui s'en rappellent, confirmez-moi ça, je ne me rappelle plus. Et donc, du coup, moi, personnellement, parce que je vois soit toi que ça t'a pris de court, tu étais moins fan. Moi, personnellement, j'ai adoré ce changement. Moi, j'adore quand les auteurs, c'est ce qu'on retrouve dans Vinland Saga, par exemple, j'adore quand les auteurs cassent le rythme d'un manga, intentionnellement, et décident de partir sur autre chose. Parce que justement, c'est là où il montre qu'il est en maîtrise de son histoire, en maîtrise de son art, entre guillemets, et qu'il n'est pas là pour répondre absolument à une demande du public. Il est là pour, comment dire, se raconter une histoire et se faire plaisir. Alors après, le fait que ça change de personnage et que ça change d'approche, ça peut surprendre. Mais moi, j'avais adoré. Et quand je m'étais arrêté vers le 20, en fait, ils allaient, je crois, se rencontrer. C'est-à-dire que on a eu Musashi avant, on a eu Sasaki pendant, pareil, une dizaine de volumes, et vers le 20, ils étaient censés se rencontrer pour se battre. Et donc, on avait vraiment les deux personnages en tête, et là, ben, le combat allait être un peu décisif. Alors aujourd'hui, il y a 37 volumes, il y a eu 17 volumes de plus, donc je me dis, il y a encore plein de rebondissements, mais comme je ne connais pas le roman, je ne peux pas vous le dire. Par contre, Arnaud me dit que ça reste fidèle au roman. Ok. Donc, ben du coup, voilà. Donc, ça suit les grandes lignes du roman, donc c'est parfait. Alors, après, tu as trouvé l'arc long, et là, ben du coup, je peux pas te dire si moi je l'ai trouvé long ou pas, parce que je ne m'en rappelle pas. Donc, là-dessus, j'aimais plus à très jeune enfance les premiers tomes de son arc que lorsqu'il s'est mis. Ok. Ben du coup, ouais, ben, quand je le relirai, je pourrais justement te confirmer si je ressens la même chose. Donc Soji, oui, il est sourd. Alors, sourd et il ne parle pas. Hein, c'est pas, il n'est pas muet, il ne parle pas, mais il pourrait parler. Et tu as été déçu du personnage de Sasaki, toi, qui est prétentieux dans le roman, mais pas dans le manga. Mais ouais, mais c'était ça, sa vision à lui de ça. Après, c'est une vision personnelle, hein, donc il faut accepter ce changement. Moi, je pense qu'il a vraiment voulu montrer une différence, deux opposés. Parce que, comment il s'appelle Musashi, et c'est quelqu'un qui est quand même assez prétentieux aussi, quoi. Dans le sens où il veut gagner, il est imbu, en fait, surtout. Il est surtout imbu de lui-même. Donc c'est surtout ça. En tout cas, Vagabond, comme je n'ai pas lu l'intégrale, c'est compliqué de vous dire c'est génial jusqu'au bout parce que je ne l'ai pas lu. Je ne peux pas vous dire s'il y a un arc qui est plus long que l'autre dans le chat. Donc voilà, soit vous l'a indiqué. Mais je comprends que c'est un manga qui intrigue encore et qui fonctionne. Et surtout, Inoue a une aura qui aujourd'hui est indiscutable. Et donc ça plaît aussi au public. Donc j'ai hâte de me les relire, les Vagabonds. Sachant que ça se lit très vite, hein, il n'y a pas énormément de texte dans la série. Hein, donc quand on les lit, ça défile. Donc voilà, donc Vagabond, j'ai pas plus à dire parce que ça fait longtemps, mais sachez que je n'ai pas lu les 17 derniers. Enfin à peu près 17, 15, 17, je ne sais pas exactement. Je ne les ai pas lus, mais j'ai bien objectif de les lire cette année. Rappelez-vous, quand j'ai fait Hunter x Hunter, c'est pareil, il y avait genre au moins 15 volumes que j'avais pas lus.
Ben là, c'est la même chose. Ben, je vais me rattraper ça d'un coup. Et toutes ces vieilles séries où j'avais pas lu la fin, ça sera l'occasion de mettre à jour. Donc ma manga, voilà, préfère avec Sasaki, le dessin l'emporte. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance aussi qui est différente et qui est vraiment cool, quoi. Et il a ajouté des petites différences par rapport au roman, propre au manga. Ben après, voilà, il a voulu aussi l'adapter à sa sauce. Et c'est pas plus mal, hein, avoir l'adaptation trop fidèle. C'est un peu décevant des fois. Voilà pour Vagabond. Donc ça reste comment dire, une série culte de notre époque à nous. Et même aujourd'hui, elle a encore son aura. Et c'est presque dommage qu'elle n'ait pas sorti au format moyen, un petit peu plus agrandi. Parce que, bon, là encore, ça va, elle est bien l'édition, hein, elle est propre, même des années après. Mais c'est presque dommage qu'on n'ait pas eu plus grand, parce que vu les dessins, ça les méritait. Alors, je vous propose. Attends, est-ce que tu as une idée de la justification du prix? Je ne sais pas du tout la justification. Alors, après, le papier est quand même cool. Pour l'époque, en tout cas. Pour l'époque, il était bien. Parce que il y a ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est des réimpressions. Donc, je ne sais pas la qualité. Qu'est-ce qui justifie le truc? Je sais pas, l'argent. Vendre un manga 2 euros plus cher. C'est 2 euros de plus dans la poche, hein, de l'éditeur. Donc je ne saurais pas te dire. Après, le problème de la justification des prix, là on est un peu hors sujet, mais c'est compliqué pour moi. C'est-à-dire que si vous regardez bien, moi je ne vous parle pas de prix de manga. Parce que les prix des mangas, la valeur de manga, c'est propre à chacun. J'achète des mangas comme ça, des Tatsumi, comme ça, qui valent 32 balles ou 35 euros, je sais plus combien ça vaut, pour l'équivalent de 2 livres. Donc ça fait 15 balles le livre. Est-ce que ça les vaut? Ben, c'est à chacun de décider. Il y en a certains, ils vont dire c'est hors de question, à 32 euros, je préfère acheter 4 Naruto, ou même plus que ça. Donc voilà, ouais, c'est ça. Donc je préfère acheter 4 Naruto. Ah non, c'est combien? C'est 6 euros, je crois. Voilà, ou 6 Naruto, on s'en fout. Que acheter des trucs comme ça à 32 balles. Moi, des fois, j'ai payé des bouquins hors de prix. Mais est-ce que ça les vaut? C'est à chacun de voir l'argent qu'il veut mettre dedans. Donc, est-ce que 9 euros est justifié? Si la série te plaît, oui. Si elle te plaît pas ou t'es pas emballé, non. C'est presque ça, j'ai envie de te dire. Je vois que Vagabond, là, ça vous fait réagir. Hein, c'est. Je râle un petit peu vos commentaires. Ok, apparemment les réimpressions sont plus touffues, tu veux dire les pages sont plus épaisses, c'est ça? Donc voilà, après effectivement, peut-être ce qui manque là, c'est peut-être en grand format, je sais pas. En tout cas, voilà. Donc du coup, voilà. En tout cas, je trouve que l'édition de l'époque était qualitative par rapport à ce qu'on avait à côté. Je propose de passer au manga suivant. Parce que bon, je prends mon temps, hein, mais il faut qu'on avance un petit peu quand même. Hein, on est d'accord. Sur cette idée, voilà, la philosophie, là, je vous pose des questions par rapport aux ayants droit. Non, c'est pas dit, hein, tu sais, c'est peut-être pas pour le prix, c'est même pas une question d'ayants droit des fois. Hein. Des fois, c'est le potentiel de vente. Typiquement, si vous prenez le dernier Rakai Blues qui vaut 16 euros, on voit clairement que Pika a déjà mis dans son prix une potentielle perte de lecteurs pour dire ben, si on va avoir une grosse déperdition de lecteurs, on les met à 16 euros, comme ça les derniers volumes compenseront tout ce qu'on a perdu au début. Et ceux qui veulent la série l'achèteront quand même. Donc voilà, c'est ça après. Parce qu'il faut penser qu'un éditeur. En France aujourd'hui, augmenter le prix d'une série en plein milieu, c'est très très mal vu. Donc il vaut mieux qu'il table sur un prix un peu plus fort. Et puis voilà quoi. Ok. Donc du coup, on est sur un plus grand format aujourd'hui dans la nouvelle édition. Ok. Authentique, tu as 1 minute de latence. Alors, si tu vas sur Twitch, tu auras quelques secondes.
Si tu vas sur YouTube, ça dépend de ta connexion. Là, je te le dis. Moi, par exemple, si je vais sur ma propre vidéo YouTube aujourd'hui, hop, que je regarde vite fait. Je vais sur ma propre vidéo YouTube. Voilà, mais là, je suis en train de me répéter. Donc, j'ai vraiment 5 secondes de décalage. Donc, je suis très court. Donc, je pense que c'est ta connexion authentique. Et fais attention, des fois, YouTube ne te décale automatiquement en arrière parce que je sais pas, il a chargé, je sais pas ce qu'il a fait. Donc n'hésite pas à bien te remettre à droite dans la barre et tu seras normalement à jour. Mais en tout cas, c'est gentil d'avoir spécifié. Voilà. Alors je propose qu'on arrête là sur les prix. C'est un autre débat. On pourrait y passer la soirée à parler des augmentations des prix des mangas. Qu'on payait ses livres 25 francs. Voilà, on le sait. Donc c'est bien ça, mais j'ai eu ce même problème avec ton live authentique. J'avais du mal à être à chaque fois à jour régulièrement, je devais le mettre, le décaler. Allez, c'est parti. Bon, de toute façon, c'est bon, on prend le temps, donc même si y a un petit décalage, c'est pas grave. Vous avez vu, je prends bien le temps d'expliquer les séries de ce côté-là. Une autre série, une série où ça fait longtemps que j'attends la suite, mais longtemps, 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 c'est celle-ci. Me and the Devil Blues. Donc du coup, cette série-là, c'est une série aujourd'hui qui a été mise en pause pendant des années. Il y a 4 volumes. Chaque fois, j'aime beaucoup parce qu'il y a des couleurs sur les pages. Alors, ce n'est que le haut des pages, hein, bien naturellement. Ça coûte très cher apparemment à faire, hein, ce truc-là. Mais ça donne en tout cas une identité spéciale à la série. Alors il faut savoir que les auteurs, donc Akira Hiramoto, c'est tout. Il y en avait deux normalement, je sais plus. En tout cas, il y avait un bisbise avec le Japon, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a eu des soucis. Et il a mis le manga en pause, au bout de 4 volumes. Il faut savoir qu'au Japon, il y a un 5e volume qui est sorti des années après. Donc si je regarde Me and the Devil Blues, je regarde en même temps sur. On va le faire, attends, on va pas vous laisser, hop. Devil Blue. Voilà. Si on regarde les sorties. 1, 2, 3, 4. Là, c'est sorti en 2008. Ah oui, non, mais ça, c'est en France, pardon. Japon édition. Voilà. On en avait un qui était sorti en 2005, 2005, 2006, 2007 et le dernier 2015. Donc il est sorti 7 ans plus tard. Et ce volume 5, ce n'est pas la fin. Il faut encore il y a, voilà, c'est pas terminé. Et donc du coup Kana ne veut pas le sortir parce que, bon, déjà, je sais même pas si c'est encore dispo, ça. Kana ne veut pas le sortir parce qu'ils veulent pas décevoir le public. Donc en fait, ils attendent que la série soit terminée pour sortir la série en fait. Donc le jour où l'auteur termine cette série-là, eh ben on aura la fin. Donc en attendant, tant pis quoi. Donc voilà, sachez qu'en tout cas, on n'a que 4 volumes et que ce n'est pas terminé. Donc vous risquez d'être un petit peu déçu. Alors, je l'ai lu il y a très longtemps, hein, donc je n'ai pas un souvenir très clair, mais c'est une histoire sur le blues. Donc, ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment les Blue Giants, tous ces trucs-là, là, avec des instruments de musique et tout ça, là, et bien ça, je pense que vous allez kiffer. Kiffer, et là, je vais vous blaser encore plus, et je suis désolé d'avance, mais en tout cas, c'était une histoire qui, moi, j'avais adoré. J'avais adoré l'histoire, c'est vrai, c'est sur le blues, mais. Il y a une ambiance dedans qui est unique. C'est vraiment unique. Et en gros, c'est un bluesman de mémoire. Hein. Là, vraiment, je vous dis de mémoire. Hein. C'est un bluesman qui n'a pas trop de succès et qui va faire un pacte avec le diable pour ça. Et ça, c'est vraiment la série, on a envie de la lire avec du blues en fond, du jazz, enfin, tout comme ça. Et de replonger dans ça, quoi. En plus, le blues a une histoire très particulière dans la musique. Et donc, et derrière, on va avoir un graphisme
Voilà, on va avoir un graphisme comme ça, très crayonné, très noir. Voilà. Alors c'est biographique en plus, oui, tout à fait. Je me rappelais plus de ça, mais effectivement, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Et à la fin, par exemple, du volume 1, je crois que c'est à la fin du volume 1, je crois qu'on le voit passer le pacte avec le diable. Non, c'est pas ici. Je me rappelle plus. Ça fait longtemps, je suis désolé, mais je vous montre un peu la suite. Et donc, c'était voilà, c'était super bien dessiné. Moi, j'avais adoré. J'ai plus un souvenir clair, hein, comme je vous disais, mais c'était une très très bonne histoire à lire. Donc, j'ai pas plus à dire dessus. Je vous laisse admirer un peu les images. Mais on sent, voilà, qu'il y a une ambiance pesante. Ah, voilà, c'est ça, Authentique. J'avais oublié la série qu'il a fait après. Et c'est exactement ça. Il a dessiné Prison School et Row Hero qui sont absolument pas du tout la même chose. Et c'est assez incroyable qu'il ait dessiné Prison School à côté, quoi. Donc c'est fou, c'est fou. Moi j'avais pas lu, je crois que j'avais lu le début, ça m'avait vite gonflé. Alors après c'est enfin c'est n'importe quoi et c'est assumé. Mais moi je trouvais que ça allait trop loin dans la connerie. Mais voilà. Et là j'aimerais bien qu'il arrête ses autres séries et qu'il dessine de temps en temps ça quoi. Et je sais pas pourquoi il a fait un volume et s'est arrêté. Donc, je vous montre un peu les volumes. Donc là, on a vraiment l'impression d'être dans cette Amérique, je sais pas, des années 40, 50. Là, c'est les années 20. Et cette Amérique un peu profonde, très raciste, avec les communautés qui se regroupent et justement qui créent cette musique. Voilà. En plus d'avoir, je pense, une histoire d'un thriller. Ça fait vraiment longtemps que je ne les ai pas lus. Hein. Tout ça là, ça me dit plus rien quand je feuillette. Hein. Donc voilà. Me and the Devil Blues à découvrir, mais vous aurez pas la fin. Alors, un autre manga. Celui-là, il va être rapide. Dessiner le manga avec Yu Watase. Alors j'ai acheté ça, je ne l'ai pas lu. Hein. J'ai acheté ça parce que j'avais celui de Toriyama, je crois que j'en ai un autre, qui explique comment elle dessine le manga. Moi j'aimais beaucoup Yu Watase à l'époque, j'ai lu beaucoup de choses d'elle, et notamment Fushigi Yugi, on aura l'occasion d'en parler quand on tombera dessus. Et ben, du coup je me suis dit, tu sais quoi, je vais l'acheter, et puis c'est le genre de manga qui ne coûte absolument rien, quelques euros, ça ne part pas. Et peut-être qu'un jour, je ne sais pas si ça me pète. Je ferai une vidéo sur les mecs qui font des livres comme ça. Voir un peu comment ils abordent le truc, je sais pas trop. Alors vous n'emballez pas, hein, c'est un truc qui sortira dans 10 ans. Parce qu'il faut. Il y en a d'autres qui font, mais j'ai même pas envie d'acheter. Mais voilà, et sachez que elle a sorti un livre, dessine le manga, je ne le savais pas. Quand je suis tombé dessus, je l'ai acheté. Ça, je crois que je l'ai acheté l'année dernière. Hein, c'est assez récent. Hein. Donc voilà, je reste pas plus, hein, il n'y a rien à dire de plus. Par contre, la série d'après, il y a beaucoup de choses à dire. Qui va conclure du coup cette rangée. Qui a lu Ma vie dans les bois? Sorti chez Akata il y a pas longtemps. Pas si longtemps que ça. Alors, j'ai tenté cette série, j'ai les 10 volumes, j'ai tout lu. Et y a plein de choses à dire cette série, en positif comme en négatif. Donc ce que je vais dire sur la série, il faut pas le prendre en mode tout est nul, mais il faut savoir qu'en tout cas, c'est comme ça que la série a été faite. Alors le postulat de base, parce que comme tout le monde, hein, je suis sensibilisé, enfin comme beaucoup de personnes plutôt, je dirais, j'essaie d'être sensibilisé à l'écologie, à ces choses-là. Et donc du coup, quand ce manga est sorti, je me suis dit, bah c'est cool, c'est un manga sur la nature, l'écologie, en plus c'est une autobiographie, j'aime beaucoup les autobiographies.
Ben, c'est l'occasion de découvrir ma vie dans les bois. J'avais envie un jour de faire une vidéo dessus parce qu'il y avait plein de choses, mais faire une vidéo pour dire des choses un peu négatives, ça ne servait à rien. Donc, mais là, c'est l'occasion justement d'en discuter et d'en parler en détail. Le postulat de base de ma vie dans les bois, c'est un mangaka qui en a marre de la ville. Il a dit, c'est bon, j'en ai marre. L'argent, le machin, tout ça, toujours à courir partout, la ville, j'en peux plus. Je veux vivre dans la nature. Donc là, il décide de lâcher la ville, acheter un terrain vide, enfin juste avec des arbres, et de construire son petit paradis là-bas, et de tout construire lui-même, sa maison, son potager, son terrain, etc., etc. Alors clairement, quand on commence à être sensibilisé à tout ce qui est l'écologie, on a toujours les phases comme ça, c'est-à-dire que ah, on découvre ça, on veut en faire beaucoup, et puis à un moment on arrive à une sorte de plafond en mode oui, enfin je veux bien faire beaucoup, mais il y a aussi une limite où on est dans une société avec un certain confort de vie, on peut faire plein de comment dire de compromis, voire se limiter, mais il y a des choses où au bout d'un moment on est aussi limité par la civilisation dans laquelle on est, et est-ce qu'on a vraiment envie d'aller jusqu'à là? Typiquement, moi personnellement, je peux faire attention à plein de choses, mais je ne suis pas quelqu'un qui consomme énormément. Mais en fait, de me dire, ben là, moi, je vais partir dans la nature et je vais tout refaire à zéro et compagnie, je ne sais pas si je serais prêt à abandonner mon petit confort moderne, hein, clairement. Et donc, c'est intéressant parce que le mec, on peut dire, il a des balls, quoi. Il y va, il lâche le truc, il dit, moi, je pars. Et sa femme, elle n'est pas très chaude pour le truc et elle dit, ben, installe-toi, je te rejoins après. Et donc, du coup, voilà, là, il a son petit terrain qu'il va falloir dézinguer. Et à chaque fois, il commente et il dit, ben voilà, ça, c'est mon terrain. Il met des photos et il explique. Donc, franchement, la démarche, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Super intéressant. Donc, au début, c'est super intéressant. Il explique sa méthode de pensée. Il explique ce qu'il a envie de faire. Qu'est-ce qu'il fait pour commencer à déblayer son terrain. Voilà. Par contre, il est très technique, alors il aime bien raconter en détail ses machines et tout ça. Et au bout d'un moment, alors au début, voilà, il fait caca dans l'herbe. Sa femme, elle en peut plus. Hein. Et au début, en fait, voilà, il commence à arracher les arbres et puis il se rend compte que sans machine, ça va être peut-être compliqué. Donc finalement, il va prendre une machine. Il commence à faire sa maison. Donc voilà, je vous montre un petit peu les images. Il commence à construire sa maison, donc c'est quand même impressionnant. Le mec, il n'a jamais construit quoi que ce soit. Et là, il est en train de construire une maison. Enfin, qui fait ça? Enfin, est-ce que vous vous sentez capable de construire une maison en bois comme ça, quoi? Donc, c'est quand même assez impressionnant. Il apprend et voilà, et on voit les photos. C'est vraiment génial. Donc, on va dire que les deux, trois premiers volumes, ils sont vraiment très intéressants. Très bien, et au bout d'un moment, bon, ben, il est quand même obligé de travailler parce qu'il faut de l'argent, ça marche comme ça. Notre système est comme ça, tu ne peux pas vivre en autonomie à 100%. Et donc, il décide de dessiner sa vie en manga, donc d'où cette autobiographie romancée de manière assez comique. On le voit dans le train, dans le trait, et on le voit dans les petites blagues ou la bonne humeur qu'il y a. Et au début, c'est cool parce qu'il explique aussi. Quelles sont les bonnes herbes à manger, comment faire son potager, toutes ces choses-là. Donc, ça devient super intéressant là, les premières récoltes, etc. Donc, voilà, les premiers fruits qui ramassent. Enfin, je pense que quand on fait ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, je serais hyper fier de faire un potager comme ça, sortir des légumes derrière. Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Ça, je ne sais pas, mais j'arriverai à faire ça tout seul. C'est génial. Il construit un poulailler, voilà, enfin il s'éclate dans son truc, quoi. Alors je continue un petit peu. Et en fait, au bout d'un moment, ben, le souci, c'est que on se rend compte que et ben, en fait, c'est un peu l'écologie à la japonaise. C'est-à-dire que le deuxième truc qu'il souhaite construire, c'est pas un truc utile, c'est un sauna. Il avait envie de construire un sauna parce qu'en fait il se met des challenges à chaque fois et il se dit ben, je vais construire un sauna. Et ben il construit son sauna. Bon, niveau utilité, c'est pas fou, mais c'est son choix. Donc il fait son sauna, donc on le voit dans son sauna, etc. Et en fait, plus ça va aller dans le manga,
Et plus on va se rendre compte qu'il a un peu rien à foutre de la nature, en fait. Là, il est en train de. Plus ça va, et plus il construit des choses inutiles. Il va construire des cabanes. Là, il va construire. Alors, il va construire un fourneau ultra puissant pour faire cuire trois merdes dedans. Il va construire un truc pour faire du charbon. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, pour faire du charbon, c'est plus du tout rentable de le faire soi-même. Hormis pour perpétuer la tradition, à la limite. Et surtout, c'est un grand amateur de pêche. Et on va se retrouver avec des volumes où régulièrement il va aller pêcher. Et c'est absolument pas intéressant. Parce que autant le pitch de base, qui était justement sa vie, comment il s'en sort et compagnie, et bien là, aller le voir pêcher, aller le voir détruire la moitié de sa forêt pour construire des constructions qui sont pas du tout utiles. Je sais pas, il y a des fois, il oublie, du coup, il t'explique plus comment il s'occupe de son potager, comment il fait ça. Et en fait, au bout d'un moment, il sait plus trop quoi dessiner, donc il raconte son petit train-train. Et à un moment, il est là, genre dans le volume 6, parce que comme il est bricoleur, il se met en compétition avec un gamin pour pêcher des poissons, et il va construire sa propre canne à pêche. Mais ça dure un volume, c'est hyper long. Et à tester tous ces trucs et tout, sur le principe, c'est pas mal, mais. C'est beaucoup, beaucoup trop long. Et en fait, on se rend compte que ben, c'est une écologie à la japonaise, en mode, ben non, mais il n'est pas là pour vivre avec la nature. Il est là pour mettre son petit confort et faire ses petits caprices à la nature, en fait. Et c'est dommage parce que ça perd toute l'âme du manga du début. Et en vérité, les trois premiers volumes sont intéressants. Et le reste, je les ai achetés. Et je les ai achetés parce qu'en fait, avec les amis avec qui on les lisait, ça nous faisait rire. Ça nous faisait tellement rire, c'était tellement n'importe quoi, que j'ai continué la série pour qu'on puisse rigoler des conneries qu'il faisait, en fait. Pour vous dire, donc vraiment, on l'achetait plus pour les bonnes raisons. Hein. C'était pas parce qu'on aimait la série. Et je l'ai acheté comme ça, complète, pour ça. Et en plus, il faut savoir que quand il explique comment il fait un fourneau, etc., ce sont des pages d'explication derrière. Hein. Donc c'est très technique. Hein. Donc c'est exactement ça, hein, c'est vraiment, c'est plus du greenwashing, donc marqué écologie c'est faux, c'est pas du tout écologique, et d'ailleurs, à un moment il y a un chapitre qui m'a fait énormément rire, où il est là, il se repentit un petit peu, l'esprit de la forêt, patati patata, je sens, machin, ça, on s'est dit, oh mon Dieu, ça y est, il a compris, case d'après, il sort sa tronçonneuse, il découpe tous les arbres, il fait, ok, c'est bon, t'as rien compris mec, t'as juste eu un remords que t'as oublié. Et en fait, c'est dommage parce qu'il y avait plein de plantes, il y avait plein d'animaux de la forêt, il y avait plein de techniques pour vivre sur place, qu'il aurait pu développer tout le savoir qu'il a eu. Et en fait, bah, il se contente de faire ça, sachant que pendant le truc, sa femme, elle ne voulait pas vivre dans sa maison. Et donc, du coup, il y a construit une maison plus moderne. Et sa femme vit dedans. Et à la fin, il a fini par aller dans cette maison moderne. Et parce que bah, au bout d'un moment, il y a l'électricité, il y a les toilettes, il y a tout ça. Et donc, il a un peu lâché son confort. Son confort, enfin son truc quoi. Le dernier, moi, ce qui m'a tué, c'est quand il décide de faire une cabane pour boire l'apéro avec ses copains. Il découpe je sais pas combien d'arbres pour faire une fucking cabane qui ne sert à rien quoi. Et voilà, et c'est que des caprices en fait qu'il fait. Donc, ma vie dans les bois, je l'ai dit de façon très gentille là, mais à la voilà, on voit la cabane là. Mais honnêtement, c'est un beau bullshit ce manga. C'est un manga qui avait d'excellentes bases pour faire un super truc qui aurait pu justement être presque un exemple pour les autres, dans le sens où ben, toi, tu n'es peut-être pas capable de le faire, moi je l'ai fait et regarde tout ce qu'on peut faire. Et si un jour je te donne des idées et tu vois des idées qui vont vraiment dans le sens de l'écologie, tu peux peut-être faire ça, tu peux faire ça, tu vois vraiment, limite un guide là-dessus, ça aurait été super cool. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est juste. C'est juste du greenwashing où en fait le mec il a juste une marre de la ville, il a acheté une forêt, il a construit sa maison et ça l'amuse de bricoler en fait. Je grossis le trait, hein, mais en gros c'est ça. Donc voilà, donc la tronçonneuse, comme tu dis, Manon, la belle manière de communiquer avec la nature. Et ça m'a fait rire en fait. À la fin vraiment, on rigolait à chaque fois qu'il y avait un volume qui sortait, on lisait, on se moquait de ce qui se passait dans le volume. Et on sent que l'auteur. Il a fait traîner le truc parce que plusieurs fois il va à la pêche, plusieurs fois il fait les trucs, plusieurs fois il refait la même chose. Et au bout d'un moment, on a compris une fois, deux fois, trois fois. Ça suffit quoi. Donc voilà.
Donc t'as testé la soirée d'hiver avec coupure d'électricité, c'est pas drôle. Mais écoute, lui, il en a pas dans sa cabane. Donc toi, ça, tu dis soit ça te rappelle Takemura dans Hajime no Ippo qui tue un ours. L'ourson se ramène, il est triste, puis ensuite on lui fait un ragoût d'ours. Il hésite à manger, mais voilà, et il le remercie pour la viande. Non, mais c'est ça, c'est les remords sont pas là. Hein. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire, je sais pas s'il faut se lancer dans cette série-là, ou du moins les trois premiers volumes, et après il faut abandonner. De toute façon, la série n'a pas vraiment marché, et je crois qu'ils avaient augmenté le prix d'ailleurs à un moment. Pas grand-chose, mais ils avaient augmenté le prix. Bon, j'ai tout acheté, j'ai acheté les 10. Mais voilà, au moins ça nous aura fait bien rigoler pendant un moment avec les amis. Et ça n'a pas de prix. Voilà, pour revenir sur l'histoire du prix, tu vois, je les ai achetés consciencieusement à chaque fois que ça sortait, malgré que c'était de nul, parce que ça n'a pas de prix de rigoler avec ses amis. Voici, voici. Allez, je propose qu'on passe à l'étagère suivante. Voilà, si vous avez des questions sur cette série, il ne faut pas hésiter, hein. À l'étagère suivante, il y a une sacrée série là, hein, qui arrive. Une sacrée série qui arrive. Bon, qui n'a pas lu Berserk? Qui ne l'a pas lu? Qui se dénonce? Qu'il arrête tout ce qu'il fait pour aller lire cette série? Eh, dites-moi. Alors là, on est sur la série. En plus, en ce moment, avec la reprise du manga, c'est la série qu'on va tourner sur tous les réseaux. Hein. Tic-tac, tu vas acheter Berserk et tu vas tout lire. Ou tu lis sur Manga Plus, n'importe. Bon, ça. Est-ce qu'il y a besoin de le présenter, en fait? Emmanuel! Qu'est-ce que tu fais, Emmanuel? Bon, ça, c'est une série qui peut faire peur parce qu'il y a 40 volumes. Et en fait, c'est une série. Mais non, c'est pas trop long. C'est pas trop long. C'est la taille parfaite, cette série-là. Ça, c'est une série, elle est longue, mais ça vaut le coup. Oh, tu n'es pas obligé d'attendre le 41, hein, tu peux enchaîner authentique. Hein. Et tu peux y aller. Et puis 9 tomes, là, tu t'es arrêté à un moment. Ne t'arrête pas là. Enchaîne, enchaîne, passe quelques volumes encore. Je ne dis pas plus authentique, mais passe quelques volumes. Tout acheté, tout lu, ça fait plaisir. Oh là là, Soji, pour le lire. Mais je pensais que vous avez tous lu Berserk, mais je tente des nuls là. Alors après, oui, Boris, tu peux ne pas kiffer la série et effectivement, des fois, il y a quelques longueurs. Genre le combat contre le monstre marin, par exemple. Et donc, du coup, il y a des choses comme ça où, effectivement, il peut y avoir quelques longueurs. Ça, je suis d'accord. Mais les moments sont tellement épiques qu'on lui pardonne. Donc, Zeno, ça, je sais que tu l'as relu, Zeno. Donc, tu as tout lu, sauf les deux, trois derniers. Donc, ça, il n'y a pas de souci. L'animé. Donc, ça, l'animé et les films, ça reprend vraiment que les 13 premiers à chaque fois. Ah, Nico à jour. Donc oui, c'est une vraie saga, effectivement. On ne peut pas tout faire. J'ai commencé Hippo. Bon, après Hippo, tu attaques Berserk, ok? Arnaud qui, pareil, tombe des nues. Donc le manga qui t'a remis dedans, et maintenant, ça fait plaisir, ça. Après l'âge d'or, j'ai eu du mal. Mais le reste est très très bon après l'âge d'or. C'est juste qu'on est arrivé à un tel pic avec l'âge d'or que c'était dur de revenir. Ok, je vois. Stratégie authentique. Stratégie. Moi, j'ai déjà tout lu. Hein. J'ai lu même les chapitres sur Internet, donc je suis à jour. Donc cette série. Allez, on va un petit peu la raconter.
Puisqu'il y en a plein qui l'ont pas lu, il faut leur donner envie de le lire immédiatement, hein, on est d'accord. Lady, est-ce que Evil dort? Parce que j'ai pas eu de nouvelles depuis quelques temps là. Et là, on arrive à 11h. J'ai besoin d'un rapport. Alors, attendez, il faut que je mette le téléphone. Voilà. C'est difficile à résumer cette série, elle est incroyable. Incroyable. Ah, Evil ne dort pas. Merci Evil. Très bien. Pendant ça là, tu vas nous raconter, tu vas nous écrire le résumé de la série. Tu vas m'aider. Alors, Berserk, série de Dark Fantasy, à ses débuts. à ses débuts. Après, ça part un peu plus dans la fantasy. C'est une série qui est très noire. Et on suit en fait Guts. Donc un guerrier avec une épée immense, vraiment balèze, qui a perdu un œil, qui a un canon dans le bras, qui est accompagné d'une petite fée, et qui est hyper mystérieux. Et en fait, il est à la recherche de Béhérite, qui est une sorte de boule, avec un visage dessus, et on ne sait pas trop pourquoi. Et donc les trois premiers volumes, il faut savoir que c'était le début, parce que quand Mura faisait la série, il travaillait sur Japan et Oroden, alors je ne sais plus laquelle exactement, et Oroden avec Buronson, qui est un auteur hyper connu. Et il a eu un choix qui a été de continuer sa série, ou alors l'arrêter et travailler avec lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de continuer sa série. Et donc à partir de là, il a dit, à partir du volume 4, il va faire une sorte de reboot, dans le sens où le début, tu peux arriver à le mettre dans la suite, même s'il y a quelques petites incohérences pas méchantes. Hein, pas méchantes. Et donc du coup, à partir du 4, il décide de faire l'âge d'or. Et en fait, il décide de raconter l'histoire de Guts depuis tout petit. Bébé jusqu'à arriver à un climax qu'on comprend à la fin du volume 3 par rapport à des ennemis. Ok? Et donc du coup, l'âge d'or reste comment dire, reste l'arc préféré de tout le monde. Pourquoi? Parce que à la fin de l'âge d'or, il se passe un événement qui est tellement marquant que ça a éclaté tout le monde au sol. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que l'événement qui est à la fin de l'âge d'or, et je ne veux pas dire pour ceux qui n'ont pas lu le volume, je ne veux pas dire à quel moment, ok, pour vraiment que vous ayez la surprise. Ceux qui l'ont lu comprennent parfaitement ce que je dis, mais je fais exprès de dire ça, d'accord? Et je vais faire exprès de rester assez flou dans les événements pour ça. Et en fait, quand on arrive à cet événement, on se reçoit un coup de poing dans la gueule et ça marque à vie. Quand tu lis ça, tu es marqué au fer rouge. Voilà, mais vraiment marqué au fer rouge. Et c'est, je pense, ceux qui l'ont lu sont d'accord. Et donc du coup, voilà, Berserk, c'est ça en fait. C'est vraiment, il y a une histoire qui est incroyable. Et après cet événement, l'histoire continue. Et en fait, l'histoire continue du coup après les 1, 2, 3 qui peuvent être calés plus ou moins. Là-dessus. Et donc, du coup, il faut. Comment dire? Et après, ce sont des arcs qui vont faire évoluer tout ça. Et donc, dans certains arcs, il y en a certains qui sont peut-être un petit peu longs, mais c'est difficile, en fait, de remonter la pente après ce truc-là. Mais honnêtement, quand on relit, il y a des passages qui sont tout simplement épiques. Donc, voilà, là, on va voir. Donc, c'est très médiéval, hein, fantastique, hein, le truc. On voit une Béhérite ici. Ça, ces fameux objets. Et donc, il y a des personnages, il y a une rivalité dans ce manga qui est juste incroyable. Mais tu peux le lire, hein, Soji, hein, sans problème. Que tu aimes ou pas la Dark Fantasy, c'est juste génial. Et moi, j'ai pas d'affinité particulière, mais le manga est tellement bien. Hop, je vais pas prendre ce volume parce qu'il va vous, il va spoiler à mort. Non, pas celui-là. Plutôt celui-là. Voilà. Et dedans, surtout, on a des planches de folie. Parce qu'il faut savoir que, pareil, vers la fin de la série,
pas dans les volumes 40, mais plutôt dans la trentaine de volumes. Il y a un deuxième événement hyper important, pareil, qui est aussi incroyable quand ça apparaît. Et donc là, tout ça cumulé, c'est juste génial, quoi. Donc du coup, je ne veux pas spoiler parce que je pourrais vous en parler pendant une heure et vous spoiler tout ce qui se passe et vous gâcher la lecture. Mais honnêtement, je pense que ceux qui l'ont lu, ils ont juste envie de dire, mais lisez quoi, lisez. Donc c'est vraiment trop bien quoi. Donc voilà, et surtout, c'est une histoire qui se tient sur l'ensemble. C'est une vraie saga, c'est-à-dire que l'auteur, il met en place des mécaniques qu'on retrouve après, enfin des éléments qu'on retrouve après. Et on a vraiment envie de savoir comment ça va se terminer. Il y a des pouvoirs qui sont mais de folie. Son armure à Guts, à un moment, il a une armure. Elle est juste, mais l'armure de folie, quoi. Et surtout, il y a des ennemis, mais ils sont dantesques à chaque fois. Voilà. Donc, comme dit Thomas, l'intégrité de la série, elle est incroyable. Après, bien sûr que il peut y avoir quelques arcs un peu longs. Il y a des combats contre les hérétiques ou le monstre marin qui auraient pu être un poil moins longs. Mais en même temps, on n'est pas du One Piece avec des combats de deux volumes, quoi. Tu vois, du grand méchant. Donc, on n'est pas à ce niveau-là, quoi. Et il y a vraiment des arcs qui sont excellents après l'âge d'or. Et il ne faut pas passer avec. Par contre, c'est hyper violent. Hein, ça y est, que ce soit clair. C'est très, très, très violent. Psychologiquement, visuellement, c'est pas être à la portée de tous. Alors, j'ai pas pu lire tous vos commentaires, hein, je suis désolé. Je vous laisse les lire entre vous. Et je vais vous sortir d'autres mangas pour vous montrer. Et surtout, plus ça va, et plus la série devient mais magnifique, avec des planches qui sont de plus en plus superbes. Et des monstres, un univers qui s'approfondit et qui a vraiment son propre univers en fait. Et c'est ça qui est assez incroyable avec cette série. Ça c'est le temps combien, le 8, okay. Et la relation entre Griffith et Berserk, il y en a plein qui ne l'assument pas, une relation très homo-érotique. Et elle y est, les gars. Je veux dire, vous pouvez fermer les yeux, elle y est. Bah, le tome 34, oui, exactement. Ouais. C'est celui-là que je parle. Et juste la folie. Et chaque fois, les dessins, l'ambiance, les personnages, tout est génial, quoi. Et tous les personnages évoluent. Tous les personnages sont beaucoup plus complexes que ce qui n'y paraît, en fait. Et il y a des personnages qui sont tellement attachants. Attends, hop, là, il y a des scènes un peu crues. Un peu dénudées. Voilà, le volume 29, je vous montre quelques planches. Oh putain, il est défoncé mon livre. Ça, j'ai payé d'occasion, j'avais pas vu qu'il était défoncé, vous voyez. Il faut que je le scotch. Donc vraiment, passez pas à côté de cette œuvre parce que c'est une saga qui est culte. C'est une saga qu'il faut lire en fait. Ça fait partie de ces séries. Il faut pas passer à côté. Clairement. Moi je les ai. Ça fait 40 volumes. Mais ça me dérange pas de les avoir. Parce que c'est vraiment une série que je surkiffe. Et même si effectivement il n'y a pas la fin de la série qui aurait été faite par l'auteur. Puisque ben, l'auteur est décédé. C'est pas grave en fait, parce qu'il est allé tellement loin dans la série, dans la saga, que la fin qu'il propose actuellement, enfin la fin, l'arrêt oui, qu'il propose actuellement, est entre guillemets suffisant pour se dire ok, j'ai lu une œuvre tellement fantastique que c'est pas grave s'il n'y a pas la conclusion même. Alors, voilà, ça c'est les derniers volumes, enfin c'est le 38, hein, c'est dans les derniers volumes. On sent clairement la différence d'édition. Hein. Glénat, là, ils n'ont pas assuré. Et donc, du coup, ça... Enfin, le dessin, il est super beau. Il y a énormément de pages doubles. Je ne suis pas tombé dessus, là, mais il y a énormément de pages doubles. Et la suite, justement, pour en parler rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que
Ouais, comme tu dis, hein, là où il s'est arrêté, l'auteur, moi j'ai lu les scans jusqu'à la fin. Franchement, ça suffit en fait. Je ne me suis pas senti en mode blasé parce qu'on peut s'imaginer la suite. On peut s'imaginer la suite et se dire vers où ça va aller. Alors, je dis pas que tu devines la fin, mais tu vois à peu près les prochaines étapes et c'est pas grave, quoi. Donc, je trouve qu'il a arrêté vraiment un endroit qui était bien. Un chapitre avant, on aurait pu être déçu, ce chapitre-là, c'est cool, quoi. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions de tout le monde. Parce que là, il y avait beaucoup de commentaires. Donc, voilà. Et donc, la série va reprendre avec. Ça a mis un an avant de décider, mais la série va reprendre avec son ancien pote et rival, Mori, je crois qu'il s'appelle, qui a servi en fait de modèle pour la relation entre Guts et Griffith. Et en fait, il va, comme ils étaient amis, Muriel lui a dit ce qu'il souhaitait faire, en fait, les prochaines grandes lignes. Par contre, c'est pas écrit. C'est pas écrit, c'est pas un script, c'est pas tout ça. Donc, il a compris vers où il voulait aller, les grandes étapes. Maintenant, son pote va le reprendre. Je pense qu'il faut vraiment voir cette suite comme une suite qui est alternative, entre guillemets. Il faut pas avoir les mêmes attentes que la série originale. Il faut plutôt se dire, avec cette suite-là, on va savoir vers quoi l'auteur voulait aller. Ça confirmera en fait les hypothèses qu'on peut se faire. Après, dans le déroulement, dans la façon dont c'est raconté, il faut absolument pas, je pense, le comparer directement au truc. Voilà, moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il le nomme pas 42, même si c'est là-dessus, j'aurais préféré presque qu'il reprenne la tomaison à 1. Histoire de bien faire la différence. Mais bon, ça après, c'est juste du commercial, quoi. Voilà donc pour cette série. Comme je vous disais, je pourrais en parler pendant des heures, vous expliquer pourquoi c'est génial, les séquences, pourquoi c'est génial. Mais comme je vois dans le chat, il y en a plein qui ne l'ont pas lu. Je me dis, c'est dommage de vous spoiler ce qui va se passer. Alors que franchement, si je pouvais aujourd'hui faire un reset pour ne pas. Pour ne pas oublier ce qui s'est passé dans cette série-là et la redécouvrir, mais je le ferai quoi, parce qu'il y a des choses qui sont tellement incroyables dans la série que il y a ça. Alors, ce qui est assez rigolo pour Berserk, c'est que j'ai découvert la série grâce à l'animé de 90. Donc, j'ai d'abord vu l'animé en 90, de 90, enfin, c'est ça, hein, je crois qu'il est de 90. Avec le. Moi, c'était en 2004, je compte comme ça, je l'ai vu. À l'époque où j'étais à la fac. Et donc, du coup, j'ai kiffé, mais kiffé le truc. Et il faut savoir que la première série animée s'arrête à ce fameux moment incroyable qui vous marque à vie et ne termine pas. Et là, j'ai fait, mais c'est pas possible. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé choper les scantrades de l'époque, parce que la série, c'est une série qui a été publiée 3 fois, arrêtée 2 fois. Et la troisième publication par Glénat avançait, mais ils étaient toujours dans les premiers volumes. Ils n'étaient pas dans les volumes 20, 22. Donc j'ai tout pris ce qui était un Scantrad à l'époque. Je les ai torchés. Torchés jusqu'au volume 27, 28. Parce que c'est ce qui était sorti à l'époque. Incroyable. Incroyable la lecture. Et après, je commençais à lire au fur et à mesure. Mais comme l'auteur avait énormément espacé les publications. Il y avait beaucoup de hiatus dans les magazines de pré-publication. Du coup, à partir du volume 32-33, j'ai abandonné. Et j'ai attendu quand il y a eu le livre, je l'ai pas, il faut que je le ressorte derrière, à l'encre des ténèbres par Alt 236 qui est sorti. Je l'ai lu. Et cette série-là, en fait, enfin, ce bouquin-là m'a tellement donné envie de relire. Berserk, parce qu'il revient sur toute la genèse, la mythologie, sur toutes les références, etc., que je les ai relus. Et comme ils étaient dans des cartons, je les ai relus sur ma tablette. Et en fait, je les ai kiffés parce que je les ai lus en grand format sur ma tablette, et avec les pages doubles, etc. Et c'est parfait, quoi. Donc, si je les relis, en fait, j'ai les papiers, mais je pense que je les relirai sur ma tablette, en vérité. Donc, c'est plutôt ça. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc quand j'ai lu ça, ce qui fait que je n'avais pas lu les 13 premiers. J'avais pas lu le début, du coup. Et bien, en fait, ce n'est que récemment que j'ai repris la série papier depuis le début et j'ai lu le début, puisque moi j'avais vu l'animé
et j'avais enchaîné avec avec le manga, enfin les scans, et après j'ai tout relu pour me faire l'intégrale en papier. Donc le lendemain, t'en prenais 10. Alors, j'ai pas du tout suivi vos commentaires, mais je vois qu'il reste assez très positif. Et si aujourd'hui la série est autant mise en avant, c'est que vraiment elle le mérite. Elle le mérite et vous pouvez y aller. Elle est excellente la série. Donc ceux qui l'ont pas lu, n'oubliez pas, vous avez les médiathèques pour découvrir ce genre de série. Vous avez Manga Plus si vous lisez l'anglais. Donc n'hésitez pas à passer là-dessus. Et puis les trois premiers volumes, ce sont des sortes de volumes d'introduction. Donc c'est vraiment à partir du 4 que la série commence. Hein, donc voilà, je vous le dis pour ceux qui veulent commencer. Vous dites pas au bout de deux volumes, ah ouais, machin. C'est vraiment à partir du 4 que ça commence. Presque, entre guillemets, vous pourriez commencer au 4, hein, ça serait pareil. La seule différence, c'est que vous avez quand même des personnages qui sont hyper importants, qui sont introduits dans les trois premiers, et c'est mieux de l'avoir lu. Clairement. Donc voilà. Voilà pour la série. Hein. J'ai duré un moment, je vais passer à la suite. Mais je peux que vous la recommander à mort derrière. C'est vraiment excellent. Et effectivement, ça méritait un grand format. Léna n'ont pas envie. Les US l'ont fait en format hardcover. Si ouais, je suis les grands formats à liser sur la tablette. Hein. Puis honnêtement, vu les éditions Glénat d'aujourd'hui, et l'avoir sur papier, il n'y a plus aucun intérêt, quoi. Il y a encore quelques temps, voilà, ça c'était un Glénat. Ça c'était un Glénat d'avant, ça c'est un Glénat d'aujourd'hui. Elle est plus pareille l'édition. Hein. Elle est plus pareille. On voit la différence, attends, on voit la différence. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Dans les autres séries, donc il a fait d'autres séries. Et on va en parler rapidement parce que j'ai pas. Et on va finir sur ça ce soir. On aura fini cette rangée-là. On a donc Japan, qui est pas fou hein, comme truc. Il y a le petit macaron là parce qu'il faut le vendre hein, par l'auteur de Berserk. Et donc du coup, c'est un truc dans une sorte de Japon dévasté. Franchement, j'ai aucun souvenir de ce manga. Il m'a tellement pas marqué que du coup, voilà, je l'ai lu, mais je sais pas, il m'a pas. Il y en a qui s'en rappellent de Japan, ils ont des trucs à dire enfin, vous avez des trucs à dire dessus ou pas du tout? Je refeuillette pour essayer de me remémorer les souvenirs. En tout cas, voilà, c'était pas fou, assez nul même. Bon, merci Evil, tu confirmes. En tout cas, quand je l'avais lu, j'ai fait ouais. Donc pareil, je le relirai, mais ça, c'est plus pour la collection que je l'ai. Et je ne sais même pas si vraiment je vais les garder à terme, parce que je ne prendrai pas beaucoup de plaisir à les relire. Et il y avait les Oro et Oroden qui étaient un peu dans la même lignée. Qui était un truc un peu plus médiéval, je crois. Ouais, c'est ça. Médiéval, fantastique, hein, les rideaux, tout ça. Et pareil, j'étais pas hyper emballé. Mais voilà. Du coup, c'est beaucoup mieux maintenant. Hop là. Donc, pas bon. Et Oro, pareil. Mais voilà, bon, mais, avec des guerriers hyper musclés. Je pense qu'il y a le côté Burançon avec ces histoires un peu. Pas fofolles, hein, on va pas se cacher. Des gros guerriers musclés qui se tapent dessus. Voilà. Tu me les prends, pourquoi ça c'est plus trouvable, c'est ça? Du coup, je pourrais les revendre 250 euros, c'est ça, tu me dis? Non, Burançon, c'est pas un si bon scénariste, non. Moi, pas pour moi, en tout cas. Parce que voilà, même Ken, le scénario de Ken, il tient sur une feuille de PQ. J'adore Ken, hein, mais. Faut dire ce qui est. Alors, hop, je vous montre Roden. D'accord, mais est-ce que c'est dispo encore sur la Fnac, Amazon et compagnie? Parce que ça, je sais pas. Qui peut regarder? Ah, c'est plus trouvable. Ok. Respecte Ken. Mais j'adore Ken, tu le sais, j'adore Ken.
Je kiffe Ken. D'ailleurs, je vais les relire le mois prochain, Ken. C'est mon objectif, re-attaquer Ken. Je veux trop relire Ken. Et je vais kiffer. Kiffer comme je vais retrouver mon adolescence. Donc voilà, donc Oroden, Oro, Japan. Pas très bonne pioche. En tout cas, c'est pas les souvenirs que j'en ai. Un qui était un petit peu mieux, c'était Gigantomachia, qui était une petite pause pour lui quand il faisait Berserk. Et ce Berserk, il a un petit peu marre, hein, parce que vous doutez bien que voilà. Ah, c'est 100 balles Japan, pareil, je vais être riche alors, super. Donc, du coup, Gigantomachia, là, cette fois, c'était des combats de géants. C'est des combats de géants, et en fait, je pensais quand c'était sorti que c'était un peu un avant-goût de la fin de comment ça s'appelle de sa série Berserk. Je me suis dit, ah, mais comment il pourrait battre les grands méchants de les God Ends potentiellement en devenant une sorte de dieu géant ultra puissant comme on y fait penser là-dedans. Et en fait, non, pas du tout. Hein, ça part pas trop là-dedans, la série. Et j'avais cru que c'était ça, quoi. Voilà, graphiquement, c'est propre, hein, c'est bien. L'histoire était pas si mal. Elle était sympa. C'est pas oufissime dans la lecture. Mais il y avait des planches, voilà, des trucs assez impressionnants quand on regarde en détail les dessins. Là, vous voyez pas assez parce que c'est pas de la méga 4K le truc, mais il y avait voilà, des planches qui étaient assez incroyables. Donc, 100 balles, c'est abusé. Non, 100 balles, c'est pas abusé. Quand on aime, on achète. Je vous ferai passer mon annonce à 100 balles, ok? Voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, voilà, il y a des magnifiques planches et tout. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être ça, ça peut peut-être finir comme ça. Donc ça, c'est une série qui était pas mal. Beau dessin, beau machin. Maintenant, c'est pas non plus. C'est un peu court. Hein, c'est un peu court. Donc voilà, la mythologie grecque. Il est beau ton smiley de pieuvre là. Il est trop classe. Je l'ai vu passer tout à l'heure là, j'ai pas réagi. Donc Gigantomachia. Je sais pas trop quoi dire dessus parce que j'avais bien aimé la lecture. Mais j'étais un peu resté sur ma faim. Je sais pas ceux qui l'ont lu. Est-ce que vous pensez pareil ou pas? Je regarde un petit peu vos commentaires. C'est bien, j'ai plein de mangas super chers en fait. Je savais pas que Japan et tout ça étaient recherchés. Je pensais que c'était encore trouvable. Par contre, celui-là, il doit être trouvable, hein. Il est récent quand même, hein. Non, là, comme je dis, c'est super beau, hein. C'est vrai que. Et là, effectivement, il est un petit peu à son. Enfin, le Kraken, exactement. Pour la pieuvre. Et effectivement, le. Le il est enfin voilà, il est un peu à son meilleur quoi. On le voit là. Ouais, c'est ça. Donc l'histoire, voilà, c'est pas oufissime, mais le dessin est super beau. Et c'est dommage, je pensais qu'il enfin dommage. Je pensais qu'il serait parti là-dessus. Moi, je faisais mon malin avec mes théories à l'époque. Et moi, bah, tu verras, ça va finir comme ça. Guts, il va devenir un dieu géant. Et puis que dalle en fait. Que dalle, il m'a fait mentir. Alors, pour finir ce soir, il restera deux petits livres. Alors, c'est vrai que Berserk, à la fin, change beaucoup de graphisme, mais à la fin, c'est très numérique. C'est très rond, c'est très lumineux. En fait, on passe de manga très sombre à Berserk à un manga beaucoup plus lumineux. Mais je trouve que c'est une évolution qui est logique dans le manga, dans Berserk. Parce que au début, c'est très noir, il est tout seul, et au fur et à mesure, il y a une petite bande qui se construit autour de lui qui lui redonne la lumière en fait. Et je trouve que le changement graphique s'accompagne avec l'évolution de Guts. Donc moi ça me dérange pas que ce soit numérique. Après honnêtement soit c'est pas comme c'est pas fantastique t'as pas perdu grand-chose. Hein. Si c'est vraiment que pour la collection ça se trouve ça se trouve. Voilà. Ils comprendront qui prendront, enfin, qui veut. Mais ça se trouve. Si c'est pour les lire. Et il faut savoir que Japan,
est disponible en numérique légalement, d'accord, en très bonne qualité pour 5 balles. Et Oroden aussi, chacun. Donc si c'est pour lire l'œuvre, franchement, pour 15 balles, vous avez les trois. Donc allez-y, quoi. Allez-y. Si c'est juste pour avoir le papier avec le carton, avec les trucs, bon, ben dépensez 200 balles, hein, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vous qui voyez après, moi, je me moque de vous après. Mais ouais, non, franchement, prenez-le en numérique, au moins lisez l'œuvre, vous l'avez lu. Si vraiment le, comment dire, vous les voulez, bah, ça vous a plu, ou là, bah, vous pouvez l'acheter à ce moment-là. Donc voilà. Allez, Manon, on a un boomer là. Le numérique c'est bien, le papier c'est mieux. Ah là là, vous verrez, le numérique c'est le futur. Rappelez-vous de cette phrase-là, Dark Juju, 15 juin, 23h25. Le numérique, c'est le futur. Allez, je vous propose d'arrêter Berserk. On va finir par deux petits mangas pour terminer l'étagère. Comme ça, au moins, elle est finie. Et c'est déjà 25. Et donc, du coup, et puis je pense qu'on a bien parlé de Mura. Ça sert à rien de parler plus. Et le prochain, là, Duranki, le prochain Duranki, moi, me hype pas du tout. Hein. Voilà. Peut-être que je l'achèterai pour la collecte, mais ça ne me hype pas. Alors, il y avait des mangas qui étaient sortis sur la catastrophe du 11 septembre. Et donc, du coup, ça m'intéressait de lire un petit peu. Et il y a ce manga qui était sorti, Sentetsu, donc après le cataclysme. Et donc, en fait, c'était l'histoire de. Donc, suite aux catastrophes, je regarde un peu le résumé pour bien vous dire. Voilà, c'est la ligne de fer Sanriku, qui est une ligne qui traverse le Japon là à l'est, qui va jusqu'à. Ah mince, la ville là qui a eu le. Oh, j'ai un trou de mémoire là, d'un coup. Attendez. Là où il y a eu la catastrophe, Fukushima. Ah, ça y est, ça me revient. Fukushima. J'ai perdu le mot. Et donc, ça traverse Fukushima. Et en fait, c'est les efforts de. Voilà, je vous montre un peu les images. En fait, c'est les efforts de toutes les personnes qui sont battues après la catastrophe pour remettre la ligne en place. Donc là, ils expliquent la catastrophe. Hein. La ligne en place pour que les gens puissent se déplacer. Parce qu'ils ne pouvaient plus se déplacer, ils ne pouvaient plus rien faire. Et donc du coup c'est 11 mars pardon, c'est 11 mars 2011, désolé si j'ai dit 11 septembre, c'est moi qui me suis trompé, désolé, en fait je réfléchis en même temps et je dis des conneries. Donc du coup c'est le 11 mars 2011. Et donc du coup voilà, là on voit, on va voir ça, c'est voilà, c'est la ligne, là on la voit ici, je zoome un petit peu. Et c'est cette ligne-là qui traverse le Japon sur le côté, et qui est hyper importante et tout. Et donc voilà, ils vont se battre en fait pour rétablir cette ligne et que les gens puissent retrouver, aller au travail, retrouver une vie normale, pouvoir se déplacer, voir la famille, etc. Et donc c'est assez intéressant à lire, d'un point de vue un peu historique. Ça reste un manga qui est très accessible, très grand public, qui reste pas du tout démoralisant, hein, c'est un manga qui reste en vibe très positive. Et voilà, donc c'est assez intéressant d'avoir lu ça. Moi, j'étais assez content de l'avoir lu, c'est pas indispensable, hein, bien sûr. Mais c'est assez rigolo de voir ben, les essais, les petits succès, et s'imaginer à l'époque, ben, voilà, enfin, imaginons que ça nous arrive un jour, rien que se dire, ben, je sais pas, il y a le train qui marche, tu peux trop déplacer, tu as le truc, et c'est hyper important. Dans la société en fait. Et on a un peu tout l'historique de réparation, comment ça s'est passé, jusqu'à arriver à la réparation complète. Hein. Et il y a toutes les dates à la fin, très précises et tout, hein, c'est presque documentaire, quoi. Donc voilà. Alors, il y a un passage qui m'a fait rire dedans, c'est qu'un moment, et c'est très japonais, un moment, ben, il y a le séisme, il se retrouve dans le noir. Il y a le contrôleur qui part tout seul. Il se pète la gueule. Donc, il est quand même dans le noir.
Et la seule chose qu'il voit, c'est mince, j'ai salué mon costume. Donc le mec, il y a un tremblement de terre qui a tout détruit. Il est dans le noir, il sait pas s'il va survivre. Et le seul truc auquel il pense, c'est qu'il a sali son uniforme. Moi, là, l'esprit japonais, il m'a cassé en deux. Là. Il m'a cassé en deux dans son truc. Donc voilà, Sensetsu, un manga vraiment qui va intéresser surtout les personnes qui veulent avoir des témoignages sur ce moment-là. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu celui qui a fait Hajime no Ippo, qui a fait Je reviendrai vous voir, tu vois, c'est un autre témoignage sur ça. Il y en a eu plusieurs comme ça. Donc moi j'étais intéressé d'en avoir. Et du coup, j'ai pris ça. Et c'était pas une mauvaise lecture, c'était plutôt intéressant. Et le dernier manga que j'ai lu, c'est celui-ci, l'affaire Suguya, que j'avais acheté suite à une. Je crois que c'est les deux seuls que j'avais achetés, suite à une vidéo du rayon manga. Et donc du coup, je l'ai lu. Et en fait, l'histoire, c'est un homme qui a été accusé à tort parce que ben, il n'a pas su se défendre. La pression a fait qu'on lui a fait avouer des choses. Et il y a des journalistes en fait qui vont retracer l'affaire. Et qui vont prouver que cet homme était innocent. Et il va sortir après des années. Et on va retracer toute l'enquête, le pourquoi, les incohérences, l'incompétence de la procédure derrière. Et donc sur le principe, c'est plutôt intéressant, c'est pas mal. Par contre, c'est le genre de manga où on le lit une fois, on n'a pas spécialement envie de le relire ou alors de le collectionner. Donc je l'ai. Je pense que je le relirai un jour, histoire de dire, voilà, je le relirai à nouveau. Mais c'est pas un manga où j'ai absolument envie de relire ça, quoi. Bon, ben c'est bien, c'était cool, ça fait passer le temps. Mais par rapport à la vidéo, c'est pas aussi. Moi, j'ai pas trouvé ça aussi bien. Voilà, c'était plutôt ça. Donc voilà, donc c'était un. Donc c'est ça retrace vraiment l'enquête, les pourquoi, etc. On a un peu l'impression de voir un truc de reportage télé qu'on a en France, en mode il s'est passé ça et machin, ça retrace toute l'enquête, tu vois, c'est enquête spéciale quoi. Hein, c'est ça. C'est exactement la même chose. Voilà, après le dessin il est propre, hein, il n'y a pas de souci. Et jusqu'à qu'ils arrivent à prouver que. Et là on voit, ouais, il y a des photos du mec là qui a été emprisonné à tort. Derrière. Donc voilà, donc ça c'était le dernier pour ce soir. Pas plus à dire dessus, hein. Vous voyez, des fois j'ai des mangas, c'est pas incroyable, hein. Je les ai parce que je les ai, hein, tout simplement. Moi à terme, il y a des mangas comme ça où je me dis, si je trouve pas l'intérêt, je les relirai, puis je m'en débarrasserai, je les donnerai ou je les revendrai à 250 euros, bien sûr. Et comme ça sera cool. Ça sera cool. Je me ferai plein d'argent. Je pourrais acheter plein d'éditions super chères après, vous voyez? Non, je plaisante. Donc voilà. On arrive à la fin. Si ça vous a plu, les. Si ça. Attends, c'est le même mec qui a fait Terraform Mars? C'est vrai? J'avais pas calculé ça. Attends, laisse-moi regarder. Sugaya, sans déconner, bah, j'ai lu Terraform Mars. Incroyable, c'est le même. Ah, tu m'as fait découvrir un truc. Incroyable. Alors j'ai lu 10 volumes, après j'ai feuilleté parce que ça m'a saoulé Terraform Mars, c'était nul. Mais c'est fou ça. Ah, mais bah, je savais pas qu'il avait fait ça. Ok. Donc très bien, mais merci de l'info. Du coup, petit rappel, vous pouvez soutenir la chaîne de plein de façons différentes. Le Patreon, avec des vidéos exclusives. Vous pouvez me payer un petit café dessus, ça coûte rien. Vous avez les liens Amazon, les liens BDFUG. Vous avez les liens Rakuten. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens-là. Tout le monde y gagne, donc c'est cool. Donc ça fait plaisir de vous présenter tout ça. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne. De ce côté-là. D'accord? En tout cas, c'était une bonne soirée. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter de tout ça. Le mois prochain, on se revoit pour la suite de la Mangatech. Donc, on continuera tout ça. Et puis, on va avoir du Kamimura. On aura le temps
de discuter de Kamimura, donc ça va être cool. On va pouvoir revoir un petit peu tout ce qui a été fait. Et puis on se voit début juillet pour le live classique, où on va revoir un petit peu le planning, on va revoir un petit peu tout ça. Donc ça sera très très cool. En attendant, bonne nuit. On se voit bientôt pour d'autres émissions. Je vous dis à très vite et merci à tous pour votre participation. Merci à tous d'avoir commenté, d'être là régulièrement. C'est grâce à vous que je continue les lives, hein, parce que plus il y a de monde qui vient pendant les lives, plus ça me motive pour continuer, puisque c'est le but, c'est passer une bonne nuit ensemble. Et comme dit Hammer, sur le mot de la fin, lisez Berserk. Allez, à la prochaine!